Awawa, ouvre le portail. Je le savais. J'y reviens vite. Conduis juste prudemment, ok? Promis. Tu vas me manquer. À moi aussi. Awawa? Vas-tu ouvrir le portail? Désolé, j'ai entendu Shawarma. Vous avez dit quoi? Quoi? Mon nom c'est Awawa, non? Y a-t-il? As-tu perdu la tête? Ouvre le portail. Ok, il fallait dire ouvre le portail. C'est parce que j'ai suivi Shawarma. Je n'ai pas bien compris. Ne vous énervez pas. Awawa commence à devenir un poison dans cette maison, chérie. Je n'arrive plus à le comprendre. Awawa? Awawa? Monsieur? Je sors avec la voiture. Peux-tu ouvrir le grand portail? Maintenant! Ah, il fallait me dire que tu sortais, parce que tu as dit ouvre le portail et j'ai ouvert le portail. Cet endroit ressemble à une toiture pour toi? C'est bon, je vais ouvrir le portail. Mais attends, ce gars se fout-il de ma gueule? Patron, soyez patient, hein? Patientez. Si vous n'êtes pas patient, vous allez faire un accident. Alors attendez. Awawa a déjà un problème dans cette maison, et tu le sais. Le portail. Pourquoi l'as-tu encore fermé? Mais il n'est pas fermé. Awawa, ouvre le portail. Hein? Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai ouvert le portail comme ça parce que la Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Alors j'ai ouvert un côté pour toi parce qu'il est écrit que étroite est la route qui mène à la vie éternelle. Awawa. Oui? Ouvre le portail. Ok, pas de soucis. Awawa, ouvre le portail. Faufile-toi comme ça et passe. Awawa, viens ici. Ouvre ce portail et viens ici. Viens ici. La prochaine fois que tu te comportes ainsi, je vais t'arracher la tête. M'arracher la tête? Je n'ai pas de tête sur les épaules, ce sont des plumes. Tu es vraiment stupide. Écoute, calme-toi, accorde-toi 2 minutes et applique la philosophie du calme. Sinon, quand tu vas démarrer, tu risques d'aller mourir. Idiot. Hein? J'ai la vision d'un accident. Retour à l'envoyeur. Foutaise. Toi-même. Tu vas utiliser ce son pour jouer les Didier Mix. N'importe quoi. Je suis marié. Tu peux épouser cette ampoule lumineuse. Au lieu de servir d'éclairage, tu ne sais même pas. Hein? Je suis marié. Hein? Je ne sais même pas pourquoi tous les voleurs de ce quartier, hein, se sont repentis. Tout le monde est devenu un chrétien né de nouveau. Pourquoi les voleurs n'ouvrent pas ces portails et entrent dans cette maison, hein? Pour cambrioler.
pendant deux nuits successives quand ils t'auront bien tapé, hein? Tes fards paupières vont se mélanger à ton fond de teint avant que tu t'en rendes compte. Ce mélange sur ton visage aura formé un arc-en-ciel. Chérie. Oui, bébé. Que fais-tu? J'essaie de m'occuper de quelques dossiers de bureau. Quelques dossiers? Comment était ta nuit? Pourquoi est-ce que tu demandes? Comment était la tienne? Parfaite. Bien. Chérie, je vais te demander une faveur. Ok. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, je voudrais travailler. Je suis fatiguée de rester à la maison à ne rien faire. Bébé, je suis déjà grosse. Ok. J'ai aussi pensé à ça, mais... Pas de souci, je vais parler à quelques amis qui sont dans le domaine de la médecine. Ok? Vraiment? Oui, je te le promets. Merci infiniment. Ah, tu es un amour. T'es toi mon ange. Puis-je me remettre au travail? Je ne veux pas que tu retournes au travail. Tu dois d'abord travailler sur moi. Tu as fait de moi... ta machine personnelle. Si tu le dis. Vraiment? Tu sais que je ferai tout pour toi. Hey, tu vois le risotto que tu veux cuisiner aujourd'hui? Je ne sais pas, mais la dernière fois que tu avais cuisiné, je n'ai pas aimé. Tu n'y avais pas assez. Tu aimes trop le piment. Madame? Bonjour, madame. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de sortir. Ok? Mon mari va bientôt rentrer. Et le menu du dîner d'aujourd'hui, c'est le risotto. Et je ne veux pas que vous fassiez une erreur. C'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Ok, on se voit à mon retour. Tu vois ce que je disais? Le risotto. Mets du piment à l'intérieur. Écoute, attends, reviens! Ok, d'accord. J'ai compris ce que tu as dit. Annabelle. Papa. Maman. Annabelle et moi, nous voulons vous demander une faveur. Et qu'est-ce que c'est? Ok. Annabelle et moi, nous voulons aller rendre visite à grand-mère et à grand-père. Encore? Je t'en prie, papa, ne dis pas non, s'il te plaît. Annabelle, ma fille, le week-end dernier, vous avez rendu visite à grand-père. Alors pourquoi maintenant? Parce que nous voulons encore les revoir. Encore? Vous voulez encore aller leur rendre visite? Puis-je vous demander le pourquoi? En fait, nous voulons discuter de quelque chose avec mamie. Vous savez, en tant que de future femme... Ah, 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 ah.
femme. Tu peux le croire? Ah, ok. Oh, chérie, sérieusement. C'est d'accord. Ok, ok. Très bien, très bien. Vous avez gagné. D'accord, ok. Merci. Je n'en reviens pas du tout. Merci, papa. Les enfants sont incroyables. Oh, mon Dieu. Très bien. Merci, papa. Très bien. Merci, maman. Partez, partez. Chérie. Oui. Honnêtement, tu donnes beaucoup trop de liberté à ces enfants dans cette maison. Calme-toi. Nous devons les rendre heureuses, ok? Ce sont des futures femmes, bien sûr. Je te dis... Surtout quand elles ont dit « en tant que futures femmes ». Elles étaient tellement mignonnes. Oh mon Dieu. J'ai les plus belles petites filles du monde. Et maintenant, pour montrer à quel point je suis bénie, mes petites filles veulent devenir des dames. Ouais. Même comme elles sont encore dans le ventre de leur mère. Donc, vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour devenir une femme? Ouais. Oh, oui. Bien. Avant de devenir une mère... Cela implique beaucoup de choses. 1. Une mère doit être très hygiénique. Oui. Tu dois savoir comment garder la maison. Et garder la maison implique beaucoup de choses, comme balayer. Nettoyer. Nettoyer? Ouais. Ok, dis-moi, comment balayer? Elle sait comment balayer parce qu'elle a déjà balayé avec moi avant. Alors, une bonne mère doit savoir cuisiner, faire de la bonne nourriture. Si une femme ne sait pas comment faire de la bonne nourriture, cela ne montre pas qu'elle est bonne. Alors une bonne mère doit être capable de préparer ses enfants pour l'école. Ouais. Être là pour ses enfants, les aider dans le travail, à la maison et d'autres bonnes choses. Une bonne mère doit être capable de leur enseigner la morale, comment mener une bonne vie. Ok. Et une bonne mère doit avoir la crainte de Dieu. Elle doit amener ses enfants à l'église et leur enseigner les voies de Dieu. De Dieu. Et l'éternel. Okay. Comment lire la Bible. Okay. Comment dire la vérité. Comment être disciplinée. Je veux vraiment apprendre à lire la Bible. Tu veux, aussitôt que, juste pour le fait que tu sois ici, nous allons commencer à lire la Bible. Wow. Avec moi. Et à cuisiner aussi, n'est-ce pas? Wow. Tu as pris, je croyais que tu étais, tu as préparé du risotto pour moi hier, n'est-ce pas? C'était vraiment délicieux. C'était délicieux. Et toi, tu as même nettoyé sous mon lit. Oh, mon bébé. Je suis si fière de vous deux. C'est comme ça que ça va se passer. La venue du Fils de Dieu sera comme un voleur dans la nuit. Ne vous en faites pas. C'est comme ça que le patron viendra. Toutes les deux, vous serez assises là, les pieds croisés, en train de regarder la télé. Une télé que vous n'avez même pas dans vos maisons, dans votre village. Une télé que vous n'avez même pas dans votre village, et vous venez vous asseoir là au lieu de rester à vos postes respectifs pour travailler. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ton poste de travail ici? Tu vas la fermer, ta bouche? Mon poste de travail, c'est là-bas dehors, où je risque de mourir. C'est quand je vais mourir que vous allez apporter la nourriture pour mes funérailles, c'est ça? Si tu meurs, tu seras la première personne à mourir. S'il te plaît, laisse-nous visionner. Ok, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Un jour comme celui-ci, il y a 100 jours pour le voleur. Un jour comme ça, pour le patron. Un jour, on va vous attraper. On va vous attraper la main dans S'il te plaît, va regarder la nourriture. Avant que madame ne rentre, c'est ça qui me regarde, pas lui. Regarde-la. Regarde-la. Une seule personne avec d'aussi grosses fesses, on dirait des barils de pétrole. Idiote. Et toi alors? S'il te plaît, tu fais du bruit. Ferme ta gueule, ça veut dire quoi, je fais du bruit? Continue de visionner. Allez. Vision. C'est la famine qui va te tuer. Allez, viens me manger. Oui, la destinée peut être retardée, mais ne peut pas être changée. Oui, fais quoi? Je vais attendre un moment avant de manger. Mais en toute finalité, je dois manger dans cette maison parce que c'est votre destinée de préparer pour moi pour que je mange, idiote. Wouh!
Ella. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, Ella. Comment tu vas? Bien, et vous? Bien. Ta patronne, elle dort encore. Ok. Alors, j'ai laissé un peu d'argent sous son oreiller. Au cas où elle se réveille, dis-lui que j'ai laissé l'argent là-bas. Ah. Ok? Ok. Je ne veux pas la réveiller. D'accord. Ok. Ok, bien. Je vais bien. Prenez soin de vous. D'accord. Pareil pour toi. Ok. Encore une chose. Dis-lui juste. Ok. Ok. Passez une bonne journée. Ok. Bonjour, madame. Quelque chose ne va pas? Pas du tout. Je... As-tu fini? Presque fini. D'accord. Monsieur m'a demandé de vous dire qu'il a laissé de l'argent sous son oreiller. Où est-il? Il est sorti. D'accord. Tu veux me gâter les affaires. Je me dois aussi d'être sexy. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je conduis toujours si lentement? À une vitesse de 60 km? Mais du n'importe quoi! Où est-ce qu'il est encore passé? Awawa! Awawa! Je suis sûre qu'il est à l'intérieur. Awawa! Hé, hey, ferme-la! Ferme-la! Ce gardien est vraiment terrible. Mon nom est devenu une chanson de coupé décalé pour toi. Tu n'as pas de respect? Awawa, s'il te plaît, ouvre-nous le portail. Ouvrez quel portail? Donc tu nous entendais t'appeler tout ce temps, mais tu faisais semblant. Où est-ce que vous allez? En quoi est-ce que ça te concerne? Hein? Depuis quand est-ce qu'on te rend des comptes dans cette maison? Un simple gardien comme moi? Simple gardien? Moi? Simple gardien? Il n'y a pas de problème, hein? Je vais voir comment vous allez sortir. C'est moi que vous traitez de simple gardien? Ici, dans mon bureau? Hein? S'il te plaît, ouvre-nous le portail. C'est à moi que tu parles comme ça dans mon bureau. Pourquoi est-ce qu'on continue à écouter cet idiot? S'il te plaît, allons-y avant d'être en retard. Ok, il n'y a pas de souci. Bonne chance. Ah ouais, s'il te plaît, viens ouvrir. Le tonnerre, soyez fou. Vous, soyez foudroi. Écoutez, hein, c'est dangereux que le tonnerre foudroie quelqu'un en jupe. Ah ouais, s'il te plaît, viens ouvrir. Nous allons marcher. Quel marché? Ouvre le portail. Écoute, si je fais attention à toi, toi, attends, je vais te dire. Si ce n'était pas toi, regarde la façon dont tu me parles. Au lieu même de te soumettre, toi, tu me parles mal? Avec ta tête comme le pistache du 19e siècle. Que je vais cueillir et décortiquer et en faire de la soupe, idiote. Awawa, ouvre-nous le portail. Nous sommes déjà en retard. Supplie-moi. Oh, tu fais à moi? Hein? Tu me fais à moi? Il n'y a pas de problème. Awawa, s'il te plaît,
Ouvrons-nous le portail. Nous allons marcher. Tu vois, toi, tu trouveras un bon mari qui va t'épouser. Parce que tu as l'esprit de Dieu au-dedans de toi. Mais cet esprit de Dieu a une double facette. C'est comme le mauvais réseau, ça entre, ça sort. Ça entre, ça sort, c'est pas vraiment stable. Mais c'est là, elle a l'esprit du diable. On a compris. S'il te plaît, ouvre-nous le portail. Supplie-moi encore. Ouvre-moi ce portail. Regarde-moi celle-là. Je ne comprends pas celle-là à porter une jupe et toi un parachute. Je n'arrive même pas à comprendre comment toutes les deux vous arrivez à marcher ensemble. Tu ne sais même pas avec quel genre de personne tu marches. Hey. Tu aurais dû porter les feuilles de bananier. Toi-même. Ouh, on a gagné. Ah ah, ouh, vous avez gagné, hein? Il n'y a pas de souci. Il fallait faire ouh quand vous serez de retour. C'est l'échelle que vous allez utiliser pour grimper ces murs et entrer avec vos ouh que le tonnerre vous frappe là-bas. Vous pensez que les hommes cherchent votre type de femme? Ce sont des villageoises comme vous que je vais aller chercher, moi. Comme s'il n'y a plus de femmes ici dehors. Idiote. Jenny, Monsieur Oscar est tellement mignon. Il parle de manière sexy. Et la fessie. Jenny, oh mon Dieu. Si seulement... Sérieusement? Oh. C'est un bel homme. Mais marié. C'est aussi notre patron. Il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. S'il te plaît. Ah. Et puis quoi s'il est marié? Tu as oublié qu'on nous fréquentait encore? Notre ancien principal. Tout ce qu'elle a veut, elle l'obtient. Elle a. Donc tu n'as pas changé. Ah, est-ce qu'un léopard peut changer ses rayures? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors, voilà ta mission dans cette maison, quoi. Il parle de quoi? Il s'agit de quoi? T'en fais pas, hein? Ta langue est subitement aiguisée. Blablabla, tu fais du rap maintenant, tu es devenu Eminem, hein? C'est ça? T'as la diarrhée verbale. Y a pas de souci. Tout à l'heure, vous saurez quelle est votre place. Je vais vous remettre à votre véritable place tout de suite. Donc, tu es venu dans cette maison pour voler le patron à madame pour que madame devienne la ménagère. Et toi, tu parles de quoi? Qui a dit ça? Hein? Tu es là pour voler le patron à madame pour que madame devienne la ménagère et toi tu deviennes la femme de la maison, c'est ça? Ouais, personne n'a dit ça. Ouais. Ah ah. Ce n'est pas toi qui as dit que tu es une professionnelle dans le vol de mari tout de suite, là? Hein? Tu n'as pas dit que tu es une voleuse de mari? Que tu voles les maris des femmes de telle sorte que, en fait, les 5 derniers maris que tu as volés aux femmes sont déjà morts. Ah! Personne n'a dit ça, tu mens. Ok, je chante, idiote. Madame? Calme-toi. Awawa. Mais qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, arrête de crier. Madame pourrait t'entendre. Est-ce que madame est sourde ou muette? Pourquoi ne devrait-elle pas m'entendre? Madame doit m'entendre. Madame va m'entendre. Pourquoi ne devrait-elle pas m'entendre? Hein? Pendant que vous êtes ici en train de planifier un coup pour détrôner madame. Awawa, personne ne dit ça. Personne n'a dit ça. Tu l'as dit? Awa, s'il te plaît, ne dis rien à madame, s'il te plaît. Si tu le dis, on perd notre travail, s'il te plaît. Tu me supplies. S'il te plaît. Tu vas perdre ton travail? Oui. Donc tu savais que tu pouvais perdre ton travail? Ah, mais tu planifiais comment tu allais être une voleuse de mari, n'est-ce pas? Non, je... Comment je peux être sûr que ce n'est pas là votre mission dans cette maison? S'il te plaît, c'est quoi toutes ces bêtises? Ah, je raconte des bêtises. Je raconte des bêtises. Madame! S'il te plaît. Je voudrais aller juste lui mettre des boucles. Madame! S'il te plaît. Awawa, s'il te plaît, on fera tout ce que tu voudras. Jenny! Toute chose. S'il te plaît, on fera tout. N'importe quoi. J'ai dit tout. On fera tout pour toi, s'il te plaît. Vous allez faire n'importe quoi? Oui. N'importe quoi, vraiment? D'accord.
Ok. La première chose que vous allez faire pour moi, c'est pour chaque jour, parce que je veux vous apprendre le respect. Chaque jour au réveil, quand vous me verrez, vous vous direz « Bonjour, monsieur. » Deuxièmement, ce que vous allez faire pour moi, c'est que vous allez augmenter mon nombre de viandes, de soupes et de compléments. La troisième chose, c'est que à partir de 11h du soir, quand tout le monde dort déjà, que madame dort déjà, oui. Oui, vous allez venir dans ma chambre pour me gratter le dos, mais vous allez porter des pagnes, vous n'allez pas mettre de caleçon. Je ne comprends pas. Ton dos te démange? Je disais que vous allez venir dans ma chambre, mais sans mettre de caleçon. Mais vous pourrez mettre des pagnes pour me gratter le dos et moi, je gratterai le vôtre. Ah ouais, écoute. Numéro 1 et 2, nous pouvons le faire. Mais numéro 3, hors de question. Oh, oui. En fait, je savais que c'était hors de question. Mais je connais le chemin pour la chambre de madame. Je peux aller lui dire pour ce plan. Ah ouais. C'est quoi? Ok, très bien. Mais arrête ça. Ok. Le numéro 3, on va réfléchir, ok? On réfléchit, s'il te plaît. Vous allez y penser? Oui. Quelle pensée? Êtes-vous des penseurs? À quoi pensez-vous? C'est elle qui pense. Vous voulez y penser? Êtes-vous devenu des penseurs? À quoi pensez-vous? Jenny pense. Ok. Écoutez, quelque chose que vous devriez même vous dépêcher pour finaliser ce contrat-là, mais vous êtes là à perdre du temps. Pourquoi? Pourquoi? Pour ce truc qui n'a même plus de valeur. Pour une marchandise de deuxième main. Combien de maris d'autrui ont trempé dans cette soupe? Vous êtes là, un beau gosse comme moi. Je veux faire marcher vos affaires et vous êtes là à faire du n'importe quoi. Ok, c'est d'accord, on le fera. Jenny, on le fera. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, on le fera. Ok, allez m'attendre, je veux faire de l'exercice pour 2 minutes. Je veux voir si... On va le faire. On arrive. On le fera. Tu as dit 11h du soir. Tu peux t'en aller. Est-ce qu'il est déjà 11h? Vas-y. Et pourquoi est-ce que tu me tires comme ça? Tu ne sais pas que je... Attends, laisse-moi tranquille. Madame? Non! Awawa. Tiens-toi là, je ne veux... On y va. Non! Amanda, ma chérie. Je t'écoute, maman. Tu dois être sérieuse avec ton examen afin que tu puisses être admise dans l'une des universités fédérales de ton choix. Ok? T'inquiète pas, maman. Je ne te décevrai ton pas. Frère appelle. Je ne te décevrai pas. Chut, le moindre c'est ton du frère monde. Qui appelle. Ah, mon grand frère. Oh, ça me fait tellement. Allô, mon fils. Maman, comment tu vas? Dépêche-toi. Je ta veux mère aussi se bat. Je me porte bien. Devine qui est ici avec moi. Amanda, bien sûr. À qui est-ce que donne-moi tu pensais? Donne-moi le téléphone, non? Maman. Tu veux parler avec elle? Ok. Salut, grand frère. Je vais bien. D'accord. Vraiment? Oh, la vache! D'accord. Merci. Donne-moi mon téléphone. Mais pourquoi as-tu arrêté l'appel? Désolée, maman. D'accord, qu'a-t-il dit? Il dit que je parte chez lui. Tu es sérieuse? Pour faire quoi? Ouais, il m'a inscrit pour les cours des répétitions. Donc, il veut que tu ailles rester chez lui? Oui, il a même dit que je peux aller là-bas ce week-end. Non, je ne pense pas que ton père sera non, d'accord. Oh non, maman. Chut, je ne veux pas que tu dises un mot. Tu sais à quel point tu es paresseuse et nuisible. Que vas-tu faire là-bas? Tu non, veux aller maman, là-bas et déranger mon fils? Non, maman, non. Tu ne okay, peux pas ne me t'en faire fais ça. Pas, je vais en parler à ton père. Papa sera forcément d'accord avec ça. Je vais okay, lui en maman, parler. Laisse-moi aller faire mes bagages, d'accord? Immédiatement. Bien sûr. Je sais que tu es impatiente. Pourquoi a-t-il raccroché? Pourtant, je n'avais pas encore fini de causer avec lui. Amanda. Oui, grand frère. Tu sais que tes examens sont proches. Ok. Et tu n'étudies pas. Tu pourrais ne pas être chanceux cette fois. Et tu sais très bien que notre père, il va te déshériter. D'accord. Alors arrête-moi ces WhatsApp, Facebook, Instagram et tout ce qui te distrait. Étudie.
pour montrer ce que tu vaux. Ok? Ok, grand frère. Je t'ai compris. Amanda. Oui, Tansine. Amanda, ton frère a presque tout dit. Et tu le sais. S'il te plaît, fais l'effort et concentre-toi sur tes études. Pour que tu puisses briller de mille feux. Ok? Écoute, tu te fais du bien à toi-même et à personne d'autre. Essaye juste de faire des efforts pour tes études, ok? D'accord, tante. D'accord. Sois une sage fille. Ok, grand frère. Ok, tante, j'ai suivi ce que vous avez dit. Je ferai de mon mieux, je le promets. Tu en es sûre? Ouais. C'est bien pour toi. Merci. Excusez-moi. Chérie, mais ma chaîne préférée, s'il te plaît. Quelle chaîne? Non. Celle-ci? Oui. Tu connais cet acteur? Lequel? C'est un grand acteur, ce gars. Je ne le connais pas. C'est ta chaîne préférée. Donc, tu les connais mieux. Tu dois me rejoindre. Chérie. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit la fois dernière? À propos de me trouver un travail. Mais tu ne m'as toujours pas répondu. Oh. Pourquoi? J'ai oublié. J'ai parlé avec Dr. Camille. Elle m'a dit que tu fasses ton CV pour que nous le déposions à son bureau. Désolé, j'avais oublié. Docteur Kim. Oui. Mais pourquoi n'as-tu pas... Parce que je ne voulais pas que tu travailles, premièrement. Oh. Je suis vraiment désolé. Mais maintenant, pas de problème. Fais ton CV et nous allons aller le déposer à son bureau, d'accord? Sinon, je suis fatigué. Je suppose que je dois aller dans ma chambre. Non. Je suis aussi fatiguée. Tu dois me porter. Te porter? Alors que je suis fatiguée? Oui, je ne peux pas marcher. Ok, tu as gagné. Je vais te porter avec mes dernières forces, ce n'est pas grave. Vraiment? À quoi est-ce que tu t'attendais? Oh. Tu as marché? Allez! Oh. Oh. Maintenant, ça va? Oui! Ça te va? On y va. Tu penses que tu pouvais me piéger? Non. Non. D'accord. Je sais que t'es fort. Chérie, ça me revient. Quoi? Ah, je vais faire un voyage pour le village ce week-end pour voir ma famille. Et les fiançailles de ma sœur, c'est ce week-end, donc je dois être là-bas avec eux. Oh, c'est bien. Pas de problème. Rappelle-moi juste avant le temps, pour que je puisse te donner quelques provisions pour tes parents. D'accord? Merci infiniment. De rien, chérie. D'accord. Merci infiniment. T'inquiète pas, ok? Mets ta ceinture. Je suis toujours en train de l'oublier. Je sais, bébé. Ça, c'est mon bébé.
Bonjour, grand frère. Tu aimes toujours écouter ta musique avec des écouteurs, ce qui te bouche les oreilles. J'espère que tu étudies très dur. Je le dis parce que tes examens sont proches. Oui, grand frère, je sais, je fais de mon mieux. Ok, est-ce que tu sais que j'ai presque fini de répondre à toutes les questions du manuel d'examen? Vraiment? Oui. Tu sais, pendant mes études, je lisais pour obtenir une bourse. Ok. Et j'espère que tu feras pareil. Oui, grand frère, je le ferai. Je te le promets. Tu sais, grand frère, tu sais ce qu'on a toujours coutume de dire? Le travail finit toujours par payer. C'est une bonne philosophie. Mais n'oublie pas que sans travail, ça ne vaut rien. Oh, allez, grand frère, tu recommences encore. Tout ce que je dis, c'est que je ne veux pas que Amanda se perde, d'accord? Ok, ok, j'ai faim. Va manger. Ah, ouais, ouais. Ouais, monsieur. Nettoie-moi cette voiture. Nettoie l'intérieur, ok? D'accord, monsieur. D'ailleurs, as-tu vu ma petite sœur aujourd'hui? Votre petite sœur? Non, je ne l'ai pas vue. Tu n'as pas vu Yamanda? Elle n'est pas là. Cette fille, elle a besoin de délivrance. Elle est têtue. Je vous assure. Honnêtement, on devrait programmer plusieurs séances de délivrance. C'est ce que nous sommes censés faire. Bref, c'est bon. Nettoie la voiture, je sors bientôt. Alors, monsieur, qu'en est-il de la santé spirituelle de votre petite sœur? Je vous recommande la délivrance. Désolé, ne vous fâchez pas. Elle est où? Elle. Elle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Jouer au football, n'est-ce pas? J'ai cru entendre dire que c'est un simple gardien. C'est comme si tu as oublié l'arrangement qu'on avait. Écoute, on avait un arrangement concernant le cas de madame. Comme tu peux le voir, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à toi de remplir ta part. Elle, jamais. Toi et moi, que Dieu me garde. Je ne me laisserai jamais utiliser par ce simple gardien. Est-ce que tu as des preuves? C'est vrai. As-tu vraiment des preuves? Donc tu me parles de preuves? Des preuves? Tu parles de preuves, n'est-ce pas? Ok. Vous pensez que je suis idiot? Attendez une minute. Jenny? Écoutez. Monsieur Oscar est tellement mignon. Il parle Écoutez. De manière sexy. Il et soyez attentif. Oh, oh mon Dieu. Sérieusement? Awawa, ne t'inquiète pas, elle va venir. Suivante! Elle va venir. Awawa. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes dehors. Il y a quoi dehors? Tu n'aimes pas l'air frais, c'est ça? Elle va venir te voir. Ne t'en fais pas, je vais venir plus tard dans la nuit. Allez! D'accord? Allez! Allez! T'en fais pas, je viendrai. Ah ouais, s'il te plaît, je viendrai. Elle va venir.
Pourquoi est-ce que tu forces ton visage? Hein? Jenny, qu'est-ce qu'on fait du Kadawawa? Ça devient incontrôlable. Celui-là, nous devons lui faire quelque chose. Nous devons très vite faire quelque chose. Avant qu'il ne nous mette dans des problèmes. Quand tu parles, baisse d'un ton. Avant qu'il ne débarque ici. Je ne comprends pas ce gars. C'est comme s'il n'est pas sûrement entre deux. Après, dormir. Il viendra dire qu'il nous a encore surpris. Salut les filles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rien. Comme tu peux le voir, nous prenons de l'air frais. Qu'est-ce que ça sent bon? Jenny, qu'est-ce que tu as préparé? Bien. Je prépare une soupe aux légumes. Des légumes? J'adore les légumes. Vraiment? Ouais. Tout comme j'aime aussi tes vêtements. Oh. C'est très beau. C'est très joli. Ok, et là, je t'en donnerai certains. Oh, ce sera gentil. T'inquiète. Ok, les filles, prenez soin de vous. Ok. Bye bye. Hey, elle va t'entendre. Es-tu au courant que le patron l'a inscrit à un concours d'entrée à l'université? Qui? C'est là. C'est là. Elle ne sait lire. Tout ce qu'elle sait faire, c'est écouter la musique, danser, faire la fête, les écouteurs aux oreilles. Attends. Quoi d'autre? Je ne la comprends pas. Tu vois ces écouteurs qu'elle a aux oreilles? Au lieu d'écouter les cours qu'on lui enseigne à l'école, elle écoute seulement la musique. Écoutez les cours. Va étudier. On dit va à l'école, elle écoute la musique. Après, elle dira à Monsieur Stark qu'elle était à l'école. Reste là. Ne va pas cuisiner. Après, tu... Je ne sais pas si tu as faim. Quel genre de repas ça, hein? Quels sont ces genres de nouilles? Pas de piment, pas de sel, ça n'a même pas de goût et c'est froid. Et là, Jennifer! Oh. Je me demande où maman est allée chercher ses paresseuses. Je ne sais pas. Qui est-ce que tu appelles paresseuse? Ah, Ella! De respect. Pourquoi est-ce que tu frappes ma sœur? Hé, ferme ta bouche! Ça veut dire quoi tout ça? Je ne mange plus ça. Je ne mange plus. Quoi? Va me ramener ce plat. Ella, arrête ça! Espèce d'insolente. Ella, arrête ça. Tu te prends même pour qui? C'est quoi toutes ces bêtises? Désolée. C'est quoi ça? Des nouilles qui sont si bonnes? Tu dis que ce n'est pas bon. Non. Je vais manger. Oh. Ella, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Va à l'intérieur. N'importe quoi. Moi, c'est Radio Trottoir. Depuis, la salle a mangé. Oui, c'est comme ça qu'elle traite ses... petits-enfants, oui. Madame, monsieur, vous pouvez voir comment elle traite vos enfants. Elle frappe sur vos enfants s'il que vous avez souffert pour mettre au monde. C'est comme ça qu'elle les traite ici. J'ai tout filmé et enregistré. Vous avez intérêt à avoir peur, oui. Parce que dès que le patron va rentrer, il recevra un reportage de Radio Trottoir. J'adore ça. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur!
voleur. Pourquoi est-ce que tu cries? Au voleur. Où est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce que tu cries? Où est-ce qu'il est? Où est le voleur? Awawa, où est le voleur? C'est quel genre de gardien ça? Où est le voleur maintenant? Awawa, c'est quoi le problème? Awawa, où est le voleur? C'est quel genre de gardien ça? Où est le voleur maintenant? Si je vous montre le voleur, qu'allez-vous faire? Écoute, soit je vais lui foutre une balle dans le crâne, ou encore appeler la police. Je ferai ce qui est mieux. Qui est le voleur? Pour la dernière fois, où est le voleur? Madame, qu'allez-vous faire au voleur? Ah, oh, où est le voleur? C'est elle, la voleuse. Ce n'est pas moi. Et là est la voleuse. Pardon? Comment? Mais voici la voleuse! Tu es là? Madame, tu es là? Donc, elle est maintenant une voleuse? Bien sûr, non? C'est quoi ça? Elle veut voler mon téléphone. Bébé, on y va. Madame, si vous saviez ce qu'elle voulait prendre dans ce téléphone! Chérie, je suis fatiguée de ce gardien. Je suis fatiguée de lui. J'en ai marre. Ah, c'est à moi que tu fais ça? Là, tu étais un serpent dans ta vie passée. Non, tu fais ça pourquoi? Hein? Ah, tu vois ce que tu fais maintenant, tu te vantes. Je peux très bien me déplacer et aller voir madame pour lui dire ce que tu voulais prendre dans ce téléphone. Hein? Ah! Ok. Madame, vous écoutez Radio Trottoir qui s'est déroulé dans votre salle à manger. Je m'appelle Awawa Amenesia Obia. C'est l'heure de l'information en entier. Regarde qui est à la porte. Oh, waouh! Hey. Maman! Hey, hey, ma princesse! Ma belle fille! Maman, bon, je suis content. Comment tu vas? Je vais bien. Viens, 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 ah, mon bébé, comment tu vas? Ton sac. Hey. Quelle surprise! Maman! Laisse mamie bien te porter. Yeah. Mon bébé a tellement grandi, il fallait... Si j'avais dit à mon fils que je venais, il allait vouloir venir me chercher à la maison. Donc je ne voulais pas qu'il voyage pour ça. Tu as raison. Tu vois? Laisse-moi bien te porter. Comment tu vas, ma petite? Bien. Tu as grandi. Avec quoi est-ce que tes parents te nourrissent? Maman, va avec elle. Va avec elle. Hey, oh, si tu viens avec moi. Oh, ouais. Je savais que tu allais être contente. Comment va papa? Ton père va bien. Ah, ça c'est cool. Tout comme moi. Ça c'est bien. Tu sais ce que je peux faire. Bien sûr. Mon fils. Oh, maman. Je vais bien, comme tu peux le voir. Maman, oh, maman, tu as bonne mine. Tu me dire que tu venais pour qu'on te prépare quelque chose de délicieux. Oui. Tu connais comment que ça se passe. Que vas-tu cuisiner? Regarde-toi, c'est plutôt moi qui devais venir avec la soupe d'inugu. Je voulais apporter la soupe d'inugu, mais je me suis dit ok, non. Dès que je vais arriver, je vais préparer la soupe d'inugu ici. Maman. C'est mon plat préféré. Maman. Bon, maman, laisse-moi te dire quelque chose. Quoi ça? Dieu merci, tu es venue. J'ai été promue. Oui. Vraiment? Au poste de manager général. Donc tu attendais que je vienne avant de non, me non, le dire? Non, 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 non. Je voulais te dire. C'était une surprise. On voulait te faire la surprise. Tu as été promu au poste de directeur général dans ton entreprise. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et heureusement que je suis aussi venue avec de bonnes nouvelles. Ah, vraiment? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ton père a été désigné comme l'un des commissaires qui seront nommés très prochainement. Et ils l'ont certifié. Dieu! Félicitations! Honnêtement, je suis impatiente de voir ça. Bébé! Tu vois ce voyage?
C'est ma façon à moi de m'entraîner à devenir épouse de commissaire. Qui sait quel temps aussi important. Ok, je vois. Je veux apprendre. Ma belle-fille va m'apprendre à porter des talons et tout le reste. Il va devoir changer ma voiture. Et aussi comment faire des discours. Et n'oublie pas d'aussi changer ma voiture. Pas bien sûr. Mais bien sûr, il doit le faire. Mais tu es son fils, non? Quand ton père va t'appeler pour t'en parler, ne lui dis pas que je te l'ai déjà annoncé. Non, je sais. Ah, maman, toi aussi, je saurais comment faire. Maman, tu dis rien. Ma petite, vous avez tellement grandi. Oui. Bébé, va lui faire quelque chose en cuisine. Cuisine quoi? Laissez-moi d'abord m'installer avant de me demander ce que vous devez cuisiner pour moi. Désolée pour ça, maman. Je vous ai dit que j'avais faim. Non. Tu n'as pas faim, nous le savons. Laissez-moi aller dans la chambre et après manger. Je vais manger. Après, manger. Ta maison. Je ne rentre pas aujourd'hui. Je ne suis pas pressée. Ma petite fille. Maman, honnêtement, tu as très belle mine. Awawa. Il te faut une éternité pour venir ouvrir ce portail. Il faut quelle éternité pour ouvrir le portail? Où étais-tu, hein? Depuis que je te cherche, je ne t'ai pas vu. Hein? Je dois te dire quand je sors et quand je vais rentrer. Ça veut dire quoi? Tu dois m'informer ou pas quand tu rentres? Quelles sont ces bêtises? Hein? Hey! On dirait que tu t'es fait pousser des ailes. Tu as déjà des ailes? Tu t'es fait pousser des ailes? Alors, tu voles comme un oiseau. On dirait que t'as oublié notre arrangement. Donc, tu veux nous faire du chantage? Tu veux nous faire du chantage? Ok, y a pas de problème. Est-ce que cet arrangement, c'est pour toujours? Ok, y a pas de problème. Quand madame va revenir, tu sauras ce que c'est qu'un chantage. Pas de souci. Non. Vas-y. Nous n'en sommes pas arrivés là. Ok, je viendrai te voir ce soir. J'espère que tu es satisfait. N'importe quoi. Si tu veux, traite-moi de merde. Du moment où tu viens remplir ton devoir, ça me suffit. Ça ne me fait rien. Hein? Cette chose est comme de l'argent, ça a de la valeur. Hein? Si tu prends l'argent et tu le mets dans de la boue ou dans les toilettes et tu le ressors de là, quelqu'un va toujours le dépenser parce que ça a de la valeur. Viens ici. Traite-moi de merde ou de racaille tant que tu viens écarter tes cuisses. En quoi est-ce que ça me dérange? Quoi? Ella, tu penses à quoi? Écoute, Jenny, je n'aurai pas de repos tant qu'il ne me l'aura pas donné tel que je le veux. Ella, j'espère que tu ne perds pas la tête. Écoute, si je perds la tête à cause de Monsieur Oscar, il n'y a pas de problème. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ella! Jenny, laisse-moi te dire quelque chose. Si je ne l'ai pas, alors je... Alors quoi? Rappelle-toi que c'est notre patron et aussi le mari d'autrui. Et puis quoi? S'il te plaît, oublie ça. Ce sont mes affaires et non les tiennes. Je le veux. Je veux le ressentir. Allez, tu ne comprends pas de quoi je parle. Pardon, va cuisiner. Chérie? Oui, chérie. J'étais en train de penser à ouvrir une pharmacie pour toi pendant que nous déménageons à Abuja. Au lieu d'en chercher une autre, quand tu seras là-bas. Chérie, non. Chérie, s'il te plaît. Chérie, tu sais à quel point je vais exercer ma profession. S'il te plaît, ne fais pas ça. Aide-moi. Hein? D'accord. Je comprends. Je te suggère de faire ça parce que... je veux que tu sois avec les enfants. S'il te plaît. C'est d'accord. Tes désirs sont des ordres. Tu es une bonne mère. Après tout, tu es mon mari. Merci infiniment. Je vais me rattraper. Merci.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ella, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de monsieur? Rien. Tu as vu monsieur dans les parages où c'est interdit d'aller dans sa chambre? Ella! Ella! Rappelle-toi que cet homme est marié avec deux enfants. Qui s'en soucie? Attends, c'est pour cette raison que tu m'as emmené ici? Fais attention. Ne dis pas que je ne t'aurais pas prévenu. Occupe-toi de tes affaires. Tu veux me faire admettre que tu as raison. Bonjour, grand frère. Bonjour, tontine. Bonjour. Grand frère, s'il te plaît, je suis venue te rappeler les choses que je t'ai demandées la semaine dernière. S'il te plaît. Ok. Va dans ma chambre. Tu trouveras ça sur la table. Merci. Merci infiniment. C'est vraiment très gentil. De rien. Ah, chérie. Merci vraiment de la rendre heureuse, ok? De rien, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu es mon Superman. Je ferai tout ce que je peux pour toi. Oui. D'accord. Je t'aime, bébé. Je sais que tu m'aimes. Ouais. De t'aider à cuisiner tous les jours et quelqu'un d'autre se charge de finir la nourriture. Ella, c'est quoi ton problème? Ne sommes-nous pas payés pour ça? S'il te plaît. Ah, à quoi est-ce que ça aide? Écoute, oublie le fait qu'on nous paye. Au moins, les amis du patron vont venir.
J'aimerais au moins que l'un d'eux nous remarque grâce à notre cuisine. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne veux pas rester célibataire pour toujours. Je veux également être appelée madame quelqu'un. Ça, c'est ton problème. Si tu ne veux pas, reste. Reste. Moi, je veux être madame quelqu'un. S'il te plaît. Je suis fatiguée. Regarde. J'espère que c'est bien rembourré. Devine ce que je vais faire à monsieur Oscar. C'est quoi ton plan cette fois? Regarde-moi bien. Regarde-moi. Arrête de faire comme si tu ne voyais pas. Regarde très bien. Je dois m'assurer que... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici? Allez, parle. C'est la nourriture que vous êtes censé cuisiner là? C'est ça ici, hein? Vous êtes là, en train de danser, vous utilisez la cuisine comme une cour de récré. Je vais faire en sorte que... Je vais en faire mon affaire. Vous n'êtes pas proche du patron comme moi. Je vais faire en sorte qu'on renvoie l'une d'entre vous ou alors qu'on vous renvoie toutes les deux. Tu es déjà le patron, ici? J'aimerais tellement me rapprocher, au moins d'un ami de monsieur. Ah. Tu es le genre de fille qui font que les hommes se prennent la tête. Tu n'as pas de contrôle ni de respect pour toi. Je n'accepterai pas ça de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que monsieur était marié ou qu'il est marié, peu importe, que je ne devais pas m'approcher de lui. Ses amis, quant à eux, ne sont pas mariés. Je ne dois pas m'approcher d'eux. Attends, laisse-moi te poser une question. Es-tu un démon qui m'a été envoyé? Je veux dire, un esprit errant qui m'a été envoyé? Ça ne marchera pas. Tout ce que je dis, c'est de ne pas te jeter à leurs pieds. Laisse-les eux-mêmes te remarquer, sinon ils vont t'utiliser et te laisser. Sainte Vierge Jennifer, colle-moi la paix. Colle-moi la paix. Sainte fille. Oui. Jenny, viens, j'ai un scoop pour toi. Si tu voyais ce qui s'est passé la nuit dernière. Qu'est-ce qui se passe? Ma chère, je sais que tu es pasteur, mais je dois te dire ceci. Monsieur a presque tué madame hier soir. Ils se sont bagarrés. S'il te plaît, ce n'est pas ça. Tu devrais comprendre. Écoute. Monsieur chevauchait madame très fort.
Et elle gémissait très fort. Ah, j'aurais tellement aimé être à sa place. Elle, occupe-toi de tes affaires. D'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Écoute, je veux cet homme. Et je sais qu'un jour il sera sur moi et qu'il va me donner ça comme je le veux. Oh. C'est pourquoi ça? Elle, tu as perdu la tête. Tu as perdu la tête. Tu feras mieux de sortir de ce rêve. S'il te plaît, laisse-moi te dire. Je vais te raconter. Nous sommes ensemble dans cette maison. Je vais te raconter. Tu peux partir. J'ai pensé que je devais te raconter. Merci. Bonjour, monsieur. Et là? Oui, monsieur. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fous dans ma salle de bain? Désolé, j'utilisais la nôtre, mais l'eau ne coulait pas bien. Alors, je suis venue ici. Et tu... Attends, et si ma femme t'avait trouvé? Je comprends, mais je voulais juste utiliser la vôtre. Regarde-toi, regarde. Tu es tout trompé. As-tu perdu la tête? Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider? Si tu essaies de t'approcher de moi, je te promets, je vais te donner une très bonne gifle. As-tu perdu la tête? Allez, sors de ma chambre! Ok. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Qu'est-ce que tu regardes? Elle, là, tu viens d'où avec la serviette sur toi? De la chambre de monsieur. Elle, là, tu perds juste ton temps. Parce que le monsieur Oscar que je connais, hein, très bien, n'est pas ce genre d'homme. Et si je te disais que quelque chose s'est passé entre nous, qu'est-ce que tu ferais? Pourquoi as-tu ouvert le portail toi-même? Où est le personnel de sécurité? En fait, papa, je l'envoie me faire des courses. Mais il sera bientôt de retour. C'est bon, ça va. Ah, comment tu vas tout ce temps? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ok. Alors, comment se porte maman? Elle se porte à merveille. Et mes oncles, comment vont-ils? Elle va bien et il est de retour. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Oui. Tu as trouvé? Madame. Merci. Ok. Alors papa, c'est lui, le gardien. Ce visage m'est familier. Tu es Michael? Non. Non? C'est pas moi. Mon nom c'est... Je m'appelle Awawa. Oui, papa. C'est Awawa, notre gardien. C'est le père de ton patron. Pas étonnant. Je le savais. Hein? Je le savais. Quand je suis arrivé et je vous ai remis le paquet, je me suis retourné et j'ai été choqué. J'ai dit, ah, qui est-ce? Il ressemble au patron, mais à une version plus vieille. Bien sûr. À présent, tu peux disposer.
Vous savez quoi? Vous avez accouché vous-même. Je vous l'assure. Je ne sais pas si vous lui avez donné naissance ou... vous êtes allé faire une photocopie dans une machine pour qu'il prenne vie. Sinon, j'aime bien votre barbe. On dirait un ours. Ça me fait penser à un film noir et blanc. Un côté noir et l'autre blanc. Il lui ressemble vraiment. Papa, c'est Awawa. Awawa est très drôle. Honnêtement, ce garçon est juste incroyable. Ok. Tu es Michael? Ma... Non. Non? C'est pas moi. Mon nom, c'est... Je m'appelle Awawa. Chérie? Oui, chérie. Je réfléchissais et... Tu sais, j'en ai plus cassé que ma sœur. Me demande de l'argent à tout moment. Que fait-elle avec cet argent? Chérie, tu sais que ta sœur va bientôt faire un examen. Peut-être que cet argent, c'est pour faire des recherches, pour qu'elle n'échoue pas. Oui, je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas que j'ai aussi fréquenté, dans ce même établissement, à mon époque. Écoute, regarde, écoute-moi. J'ai travaillé très dur, ce qui m'a fait obtenir des bourses scolaires durant tout mon cursus académique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Écoute, je vais arrêter de lui donner de l'argent dorénavant, jusqu'à ce qu'elle me dise ce qu'elle fait avec mon argent que je lui donne. Chérie, Amanda est encore un enfant. Je veux juste que tu prennes ça en compte. Je veux dire... Écoute, j'ai déjà parlé. S'il te plaît. Même un centime de ma part, elle n'aura plus. Chérie, pourquoi... Pourquoi fais-tu comme si tu n'as pas traversé ça? Tu es allée à l'école. Ça doit faire des années maintenant. C'est son tour. Chérie, s'il te plaît, calme-toi. J'ai déjà parlé. Et je le maintiens. Tu me connais. Chérie, Amanda a besoin de ton aide. Tu dois prendre ça en compte. Elle est ta sœur. Peu importe la situation, ok? Chérie... S'il te plaît... Salut. Bonjour, tontine. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Amanda, viens, s'il te plaît. Oui, tontine. Écoute, je ne voulais pas te poser cette question, mais je dois le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ton frère s'inquiète. Je veux savoir. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Tati, je suis vraiment déjà fatiguée avec toutes ces questions jour et nuit. Et tu sais, toutes ces questions ne sont pas bonnes pour quelqu'un qui prépare un examen comme moi. Je t'en prie, tontine. Amanda, toutes ces sommes, c'est juste pour ton examen? Écoute, parle-moi. Je sais comment parler à ton frère. Écoute, je peux lui parler, il comprendra. Ok? Tati, s'il te plaît. J'ai besoin de repos, on en reparlera plus tard, ok? S'il te plaît. Amanda. Ella, tu ne croiras pas. Quoi ça? Quand je suis allée étaler le linge, j'ai suivi Awawa bien s'exprimer en français. Aujourd'hui, je suis allée lui faire face par rapport à son chantage qu'il nous fait. Je m'en fiche s'il s'exprime bien en français ou pas. Ce n'est pas mon problème. Je lui ai dit ce que je pensais. Qu'en est-il d'Amanda, la sœur de monsieur? Celle-là n'est pas sérieuse. Très bientôt, elle finira comme nous, cuisinière dans une maison. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par être cuisinière? Être cuisinière n'est pas un travail. Question pour un champion.
C'est ton problème. Awawa, ouvre le portail. Monsieur! Je vous en prie, une minute, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous présente mes respects. S'il vous plaît, monsieur, je veux vous demander quelque chose. Vas-y, Awawa. S'il vous plaît, accordez-moi de l'amour. S'il vous plaît. Awawa, ma femme, fais la cuisine, ok? Dès que tu as faim, tu lui dis et elle te donnera quelque chose à manger. Ouvre le portail, s'il te plaît, je dois partir. Pardon, monsieur, pas ce genre d'amour. Hein? Cette nourriture n'est pas pour les gardiens. Ce genre de nourriture, c'est pour les autres. Je veux dire, donnez-moi juste quelque chose pour me recharger, reprendre des forces et laver mon visage avec un truc du genre... Hein? Du Okokoro. Écoute, Awawa, tu ne dois pas utiliser de l'argent que je te donne pour acheter du Okokoro. Ou peu importe, ce n'est pas bien pour ta santé. Mes yeux brillent. Ces yeux-là, ce sont des tâches. Et le Kokoro, c'est la batterie. Awawa, c'est très mauvais pour ta santé. Ok? De toutes les façons, je vais d'abord... Prends ceci, pour un début. Mais s'il te plaît, fais attention à ce que tu manges. Merci infiniment, monsieur. Dieu vous le rendra. Ça, je vous le dis. Hein? Je vous le promets. Avant votre retour à cet enterrement, où vous allez là, ha, vous ferme ta gueule. Qui t'a dit que j'allais à un enterrement? Ce n'est pas un habit d'enterrement que vous portez. As-tu perdu la tête? Ou alors c'est l'argent qui t'intoxique? Non, je suis fou. Ne filez pas, allez doucement. Amanda, pourquoi es-tu comme ça? Est-ce comme ça qu'on t'a élevé? C'est quoi ton problème? Peux-tu me dire pourquoi? Veux-tu mener une vie de débauche? Ou bien veux-tu finir comme agent de sécurité quelque part? S'il te plaît. Ou alors comme une coiffeuse? Oh, non. Écoute, notre père est un très grand lecteur, un professeur de surcroît. Et ce n'est pas de cette façon qu'il nous a élevés. Grand frère, je t'en prie. Vas-tu la fermer et me retirer ces stupides écouteurs de tes oreilles avant que je déverse ma colère sur toi? Grand frère. Chérie. Qu'est-ce que... Écoute, je parle. Écoute-moi très bien. Parle-lui, s'il te plaît. Ce sera la première et la dernière fois que tu viendras me demander de l'argent. Oh, grand frère, s'il te plaît. Parce que je ne vais rien te donner. M'as-tu compris? Grand frère, s'il Chérie, te plaît. S'il te plaît. Dorénavant, je veux écouter et voir des améliorations quand tu étudies. Et grand je veux frère, voir je les résultats de ton examen. Ma décision est définitive. Chérie, s'il te plaît, va,
Vas-y doucement avec Amanda. Amanda n'est qu'un enfant. Écoute, Sandra. Je t'ai assez entendu. Est-ce de cette façon que tu veux éduquer notre enfant? En supportant une personne stupide et bête qui ne veut absolument rien faire de sa vie et l'a gâchée complètement? Et qui est simplement attirée par une vie de débauche? Grand frère. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, excuse-moi. Grand frère, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne te soucie pas de cette idiote qui ne se soucie même pas de son propre futur. Grand frère, c'est... Ne me touche pas. Reste loin. S'il te plaît. S'il te plaît, parle à mon frère. Je t'en prie, Tati, parle à mon frère. Tu es la seule personne qui peut plaider pour moi. S'il te plaît. Je te promets de changer, Tati. Je te promets. S'il te plaît, je te promets, Tati. S'il te plaît, je t'en prie, parle à mon frère, parle-lui. Tu me promets de changer? Oui, je te promets, je vais changer. J'en ai sûre? Oui, Tati, je t'en prie. Parle à mon frère pour moi, Tati, s'il te plaît. C'est d'accord. Lève-toi. Merci, Tati. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Ces derniers temps, j'ai constaté un comportement étrange chez ma petite sœur. Un garçon vient-il souvent dans cette maison en mon absence? Qu'il est fou? C'est une zone de guerre ici. Même pas une autre fille avec un comportement étrange? Ce genre de personne? Même pas un insecte. Ok. Tu peux partir. Hein? Excusez-moi. C'est mon bureau ici. C'est vous l'étranger. Vous pouvez partir. Non, désolé. Vous pouvez rester. As-tu perdu la tête? Oui. Non. La seule chose qui me rendra heureuse, c'est de voir mon rêve se réaliser. Je ne vais pas renoncer jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Et là, ne renonce jamais. Ah, wawa! Qui est-ce? Awawa? Amanda? Awawa? Amanda? Je t'ai demandé d'ouvrir le portail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas suivi quand je frappais? Eh, Awawa? Eh?
Attends d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouah ouah. Où est-ce que tu as dormi? Ah ouah. Attends d'abord. Ah, attends. Ah, ouah, ouah. Tu piles l'alcool. Tu vas aller dans ma chambre? Tu vas aller dans ma chambre? Ça, ce n'est pas ma chambre. Ah ouah ouah. Fallait entrer pour te coucher? Amène-moi à l'intérieur. On verra les résultats après. Amène-moi. Ah ouah ouah. J'ai dit que tu m'amènes à l'intérieur. Ok. Dans ma maison. Lâche-moi. Pourquoi tu m'arrêtes? Ok, vas-y alors, toute seule. Pourquoi est-ce que tu me touches? Hein? C'est quoi ton problème? Whisky. Pourquoi est-ce que tu me touches? Ah, le ouais, vin, ouais. La bière. Pourquoi? Tout je ça, demande. Toi seule. Ne me touche plus. Ne me touche plus je jamais. Je ne vais pas te toucher. Parle dans ce sens-là, hein? Ah, ouais, il faut ouais. Avertir tes hey, ancêtres. Hey. Ah, ouais, ouais. Oh mon Dieu. Hey, cette fête était d'enfer. Hey. Ah, la fête était d'enfer. Mince ouais. Comme tu es. Tu es droite comme un bambou. Pourquoi est-ce qu'on ne t'a pas distribué oh à cette Dieu. Fête comme on distribue la fête était l'eau minérale super. Tu aurais servi c'était pour... trop chouette. Oh. Hey. Tu ressembles à un bambou. C'était chaud. Hé, hey, viens chercher cette chose-là. C'est quoi ce genre de chaussure? Les chaussures de maintenant ont l'élastique. Je croyais qu'on utilisait l'élastique pour autre chose. Hein? On fabrique déjà les chaussures qui ont l'élastique. Stupide la mode. Reviens! Viens prendre ta chaussure! Oh! Oh mon Dieu! Ah! Ce jour était vraiment spécial! La fête était fantastique! Oh mon Dieu! Oh, enfin! Hey! Hey! Remue ton popote! Hey! Hey! Remue ton popote! Hey! J'aurais dû boire plus, je te jure! Cette fête était la meilleure! Ah! Si vous voyez quand je bougeais le popote! Comment je dansais. Ah! Regarde mon beau visage. Oh, je suis si belle. Ok, ok, je vais faire une vidéo. Toi, viens là. Ok, reste tranquille. Ne bouge pas, reste tranquille. Ok. Amanda, Amanda, Amanda est sur la scène. Amanda, hé, hey, hé, hey. Oh. Hey. Je suis une grande danseuse. Bouge ton popotin. J'ai sommeil, je dois aller dans ma chambre, ok? Je dois aller dans ma chambre. Ah, c'est de l'autre côté. Oh. Non, c'est pas ici. C'est de l'autre côté. Oh. Ah. Oh, oh mon Dieu, il nous faut encore une autre bière. Une autre bière. Oh, je vais bien. Hey. Oh. Ah, ok, ok. Ah. Ah. La vie est belle. Ah. Oh. D'accord. Le petit déj est prêt. Bébé. Chérie. C'est pour moi. Je me suis réveillée vraiment très fatiguée sur moi. C'est là. Mais tu sais, je dois vraiment y aller. Je crois que je devais vraiment me dépêcher.
Bébé, dis-moi, c'est quoi ça? Je suis désolée. Ça doit être Ella. Quels sont ces villageois que nous avons employés comme domestiques? Je suis désolée, ça n'arrivera plus, ok? S'il te plaît, apporte-moi un couteau de table. Ça doit être Ella. Ella. Chérie, dépêche-toi. Chérie? Oui, chérie. Chérie, je ne me Désolée, sens pas bien. Désolée, chérie. Laisse-moi ranger ça. J'ai très, très mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie. 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 À l'aide. Aide-moi. Chérie. Ella. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame. Chérie. Madame, qu'est-ce qui... Je ne sais pas. Monsieur. Chérie. Monsieur. Hey. Chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie. Hey. Hey. Chérie. Amanda. Chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Chérie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a bu du thé. C'est quoi? Mais parle. C'est quoi? Il a bu le thé. Qui veut boire? Chérie. Chérie. Ok, attendez. Que quelqu'un t'aide. Ventilez-le. Que quelqu'un le ventile. Chérie. Allez, que quelqu'un chérie, apporte quelque chose pour que je aide ventile. Aide-nous. Chérie. Ventilez. Chérie, ventilez. Chérie, lève-toi. Ventilez. Tété. Ventilez-le. Ventilez. Hey. Chérie, lève-toi. Vous allez arrêter de pleurer, mais ventilez-le. Appelez-le. Essayez un peu de fermer vos gardes. Ventilez. Chérie. Que je ventile avec un couteau. Chérie, arrête de parler, aide-nous. Ventilez-le. Attendez un peu. Attendez un peu. Chérie. Réveillez-vous. Chérie. Il faut qu'on lui donne des claques, il va se réveiller. Monsieur, réveillez-vous. Chérie, s'il te plaît, aide-toi. Il faut lui donner des claques. Ah ouais, dégage de là. Hein? Non, chérie. Hey. Lève-toi. Hey. Bébé, hey. Lève-toi. Bébé, lève-toi. Bébé, lève-toi. S'il te plaît. Bébé. Hey. Ah,
pleurer, pleurer. Ça ne sert à rien. Vous ferez mieux d'arrêter de pleurer. Vous allez perdre la vie. Oh, oh non. Oh, oh non. L'homme est parti. L'homme est parti. Le mari aveugle et la femme aveugle. Qui va sauver qui? Qui va sauver qui? Allô? Commissaire? Est-ce que vous m'entendez? Mon fils Nick est décédé ce matin. Je dis que mon fils Nick vient de mourir ce matin. Qu'est-ce que c'est que ces questions que vous me posez? Qu'est-ce que je dis? Mon fils unique est mort ce matin et nous ignorons les causes de sa mort. Oui, je veux que vous et vos hommes veniez au domicile de mon fils tout de suite. Vous pouvez entendre les gens en train de pleurer. Oui, je veux que vous et vos hommes démasquiez ceux qui sont responsables de sa mort. Tout ce qui est humainement possible, faites-le. Pour réussir à démasquer ceux qui sont responsables. Oui. Laissez-moi vous dire que je vais en finir avec la personne ou encore les personnes qui sont responsables de ça. Je vais m'en assurer d'en finir avec eux. Vous me connaissez. Moi, le docteur Nandi. Le docteur One Touch, je n'épargnerai pas du tout la personne ou encore les personnes qui en sont responsables. Je vais m'assurer d'en finir avec eux. Je ne les épargnerai pas. Je vous en prie, venez chez lui maintenant. Un moment de silence. Pour la mort de mon patron. Que son âme repose en paix. Monsieur, j'ai un conseil pour vous. S'il vous plaît. Vous voyez cette veuve-là? Cette succulente veuve. Oh mon Dieu. Vous voyez ces derrières? C'est derrière que vous voyez là ne doit pas être gâché dehors. Au lieu de ça, il faut domestiquer ces derrières en l'épousant pour que les autres veuves puissent en tirer le sang. Au nom de Jésus. Tu peux un peu fermer ta bouche. Hein? Papa, s'il te plaît. Peu importe. Ce qu'il faut faire pour arrêter ceux qui sont responsables de ce drame, de la mort de mon mari. Papa, fais tout ton possible. Fais tout, ok? Mon cœur saigne vraiment. Pleurer quelqu'un n'est pas chose facile. Je t'en prie. Et là, apporte-moi de l'eau minérale pour que je puisse me rafraîchir et reprendre mes forces. Vous voyez ce que je subis dans cette maison? Vous voyez? Madame! Madame! Juste de l'eau minérale. Juste de l'eau minérale. Pour moi. Pour me donner. Pour l'énergie que j'ai dépensée en pleurant. Pour me lancer dans le deuxième round. Juste de l'eau minérale. Minérale! Minérale!
de l'eau minérale. C'est quoi le minéral? C'est quoi? C'est quoi? Docteur Namdi, après plusieurs enquêtes, nous avons découvert que votre fils est mort de suite d'empoisonnement. Je disais la même chose. Je disais la même chose. Qui peut être responsable d'un tel drame? Dans sa maison, dans sa propre maison. Docteur Namdi, je suis désolé de dire ceci. Tous ceux qui ont un lien avec votre fils devra être interrogé. Et celui ou celle qui sera trouvé coupable sera découvert et fera face au jugement de la loi. Officier ? Oui, monsieur ! Ai-je raison ? Oui, monsieur ! On vous laisse maintenant, docteur Namdi. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Planifier ça depuis un moment. Comment cette personne ou ce groupe de personnes ont-ils fait pour s'infiltrer dans cette maison? Parce que selon le détective, l'autopsie a révélé qu'il a été empoisonné. Comment est-ce que c'est arrivé? À qui? À qui est-ce que j'ai fait du mal? À qui est-ce que j'ai fait du mal? Pour me retrouver dans cette situation, je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais veuve à cet âge. Et mes enfants? Oh, mon Dieu! Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu! Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que cette personne paye pour son crime. Elle, qui aurait bien pu faire ça, Monsieur Oscar? Monsieur Oscar qui était si gentil, attentionné. Quel homme incroyable il était. Moi également, je suis en état de choc. Je suis sans voix. Je sais qu'une personne externe ne pourrait pas venir commettre cet acte ici. Mon Dieu, s'il te plaît, expose les coupables. Mon Dieu, s'il te plaît. Il doit vraiment le faire, parce que moi je ne peux pas dormir au poste de police. Il doit le faire. Monsieur et moi, nous étions vraiment très proches. Tu le sais, n'est-ce pas? Nous étions très proches. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Foscar? 5 ans déjà. 5 ans. Selon vous, qui aurait pu vouloir du mal à Monsieur Oscar dans cette maison? Vous savez, parfois on ne sait pas d'où l'ennemi peut venir.
Mais pour moi, je pense que la personne qui aurait pu faire ça, c'est une des filles qui travaille ici. Et quel est son nom? Ella. Ella? Mon officier, la façon dont vous me regardez, on dirait que vous menacez. Vous ne savez pas que je suis chargé de la sécurité. Ok, d'accord. Désolé pour ça. Je peux rentrer à la maison. D'accord, merci. Ça sera tout pour l'instant. Ok. Toi, tu peux pas reculer un peu. Tu es placé là, on dirait encore sans vie. Quelle relation entretenez-vous avec Oscar ? C'était mon patron. Votre patron. Je suppose que vous êtes Ella. Oui, c'est moi Ella. Quelle relation entretenez-vous avec le feu, monsieur Oscar? Répondez à la question. Quelle relation entretenez-vous avec le feu, monsieur Oscar? Nous n'avions rien en commun. Vous pensez que je suis ici pour rigoler? On m'a dit que vous aviez des sentiments pour le feu, monsieur Oscar. C'est exact? Oui, j'avais des sentiments pour lui, mais il ne s'est jamais rien passé. Le fait que vous ne pouviez pas l'avoir pour vous-même, vous avez décidé de le tuer en l'empoisonnant. Non. Je n'ai pas tué mon patron. Je ne l'ai pas tué. S'il y a quelqu'un qui n'aurait jamais souhaité la mort de Monsieur Oscar, c'est bien moi. Je ne l'ai pas tué. Vous pensez que vous pouvez m'adoucir avec ces larmes de crocodile? Quand j'aurai fini avec vous, vous saurez que je ne suis pas ici pour rigoler. Vous l'avez tué. Fermez-la! Officier. Oui, monsieur. Je vous la laisse. Bonjour, mesdames. Bonjour, détective. Il est où, docteur Namdi, s'il vous plaît? Mon époux est sorti. Il est allé quelque part. Ah, oh, d'accord. S'il vous plaît. Des nouvelles? Pour le moment, rien. Ben, nous sommes encore en train d'interroger l'une des ménagères qui avait des sentiments pour lui. Mais je vous assure, nous allons mettre fin à cette histoire. Une ménagère qui avait des sentiments pour mon fils? Qui? Qui ça peut être? Comme je l'ai dit, madame, nous sommes en train de l'interroger. Ça va, maman. Ça va. Tout maman. Va bien. Calme-toi. Nous avons assez mal en ce moment pour parler de ça. Détective, je vous en supplie. S'il vous plaît, aidez-nous. Arrêtez la personne ou les personnes qui sont derrière la mort de mon fils. Madame, ne vous en faites pas pour ça. Officier. Oui, monsieur. Allons-y. S'il vous plaît, aidez-nous. Merci. Pitié. Je suppose que vous êtes Jennifer. Oui. Quelle relation entretenez-vous avec le défunt, monsieur Oscar? Il était mon patron. Votre patron? Je suppose que vous êtes la cuisinière dans la maison, pas vrai? Oui. Le jour malheureux où ce drame s'est produit, j'imagine que vous lui avez servi du thé. Non. Alors, qui l'a fait? J'ai préparé le thé. Mais c'est Ella qui lui a servi. Ella? Oui. Et c'est qui cette Ella? Ma collègue de travail. Elle est la ménagère. Votre collègue? Ok. On va revenir vers vous. Donc, toi, Ella, pourquoi n'avoir pas dit que vous lui avez servi du thé ce jour-là? Parlez avant que je ne perde patience.
Je l'ai servi, mais je ne l'ai pas empoisonné. Je... Donc, vous n'êtes pas prête à dire la vérité. Dans ce cas, je vais devoir utiliser ça. Je devrais l'utiliser sur vous. S'il vous plaît, je ne l'ai pas empoisonné. Officier. Oui, monsieur. Je vois que cette femme est une criminelle. Elle n'est pas prête à nous dire la vérité. Dites-nous la vérité. Non. S'il vous plaît, je ne l'ai pas empoisonné. Jennifer, après avoir préparé le thé, par la suite, vous avez décidé de l'empoisonner, n'est-ce pas? Non, je suis sûr que je n'ai pas empoisonné le thé, je suis sûr. Vous entendez ça? Non, je n'ai pas fait ça, je suis. Officier, vous connaissez ce musicien? Quand il est en colère, il a l'habitude de dire « Opati mani mani tupar », ça veut dire qu'il est très en colère. Non. Alors parle oui ou non? Non, je n'ai pas empoisonné le thé, je suis dit, je n'ai pas fait... Ah. Non, je n'ai pas empoisonné. Je suis Dieu, je n'ai pas. Fermez-la. Je vous en supplie. Non. Vous êtes en train de me faire perdre patience. Parlez. Amanda? Oui, monsieur l'officier. Vous étiez saoul ce jour-là. Et j'aimerais bien savoir... Pouvez-vous... vous rappelez de ce qui s'est passé ce jour-là? Que peut-être vous êtes allé à la cuisine prendre quelque chose à manger? N'importe quoi qui vous vienne en tête. Vous vous rappelez de quoi que ce soit? Je ne me rappelle pas de grand-chose. Mais... je pense que je me rappelle avoir pris une vidéo. Ok. Dans la salle à manger. Oh mon Dieu. Ah. Ce jour était vraiment spécial. La fête était fantastique. Oh mon Dieu. Oh, enfin. Hey, remue-toi un peu, pote. Hey, remue-toi un peu, pote. Hey. J'aurais dû boire plus, je te jure. Cette fête était la meilleure. Ah, si vous voyez quand je bougeais le popotin. Ah. Ouf. Attendez, voici comment je dansais. Ah. Regarde mon beau visage. Oh, je suis si belle. Ok, je vais faire une vidéo. Toi, viens là. Ok, reste tranquille. Ne bouge pas, reste tranquille. Ok. Amanda, elle suit la scène. Amanda, hey. Je suis une grande danseuse. Bouge ton popotin. J'ai sommeil, je dois aller dans ma chambre, ok? Je dois aller dans ma chambre. Oh, c'est de l'autre côté. Oh. Non, c'est pas ici. C'est de l'autre côté. Oh mon Dieu. Il me faut encore une autre bière. Je vais bien. Hey. Oh. Ok. Ah. La vie est belle. C'est tout ce qui revient dans ma tête. Monsieur Awawa, vous insistez toujours sur le fait que vous ne connaissez pas ce qui a tué votre patron. Il y a tellement de façons pour que quelqu'un meure. Vous savez que le tonnerre peut tuer. Le tonnerre peut frapper quelqu'un. Moi, je ne sais pas comment est-ce que mon patron est mort. Et c'est faire un passé que vous avez placé ici pour me faire peur. Je ne sais pas si vous avez un précis. Monsieur, ferme-la! Tu penses que nous blâmons avec toi? Ce n'est pas ça mon problème, mais tu ne fais que me cracher dessus. Cracher et recracher encore. Monsieur Awawa... Je suis mouillé, je suis complètement mouillé. Ce qu'il me faudrait là, c'est une serviette. S'il vous plaît, calmez-vous. Pour m'essuyer à cause de tes salives. D'accord. Il ne va plus vous frapper. Il y a cet adage qui dit...
99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Vous savez, ça dépend du nombre de jours sur le calendrier. Ok. J'ai une surprise pour vous et vous allez l'aimer. Monsieur Awawa, que pouvez-vous dire à propos de ça? C'est un téléphone. Monsieur, regardez! Est-ce que vous voyez? Hein? Ok, ça c'est un film. Aïe, 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 aïe. Monsieur Awawa a quelque chose à nous dire. Monsieur Awawa, pouvez-vous leur dire ce que vous m'avez dit plus tôt dans mon bureau aujourd'hui? La vie n'est pas ce qu'elle semble être. Et je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. Je sais que vous êtes... choqué, sûrement. Probablement, vous pensez peut-être que quelqu'un parle derrière moi. C'est moi. Je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. Très différent de ce que vous pensez que je suis. C'est-à-dire... non éduqué, bavard, illettré, naïf. Timide.
ce jeune homme-là, dans la rue, c'était une personne de la rue que vous avez fait venir pour vous aider, ou plutôt pour travailler pour vous en tant qu'agent de sécurité. J'ai abandonné l'université. J'ai abandonné l'école, non pas à cause de mon incompétence académique. Non pas parce que je n'avais pas la volonté de continuer. Ou non pas parce que j'étais distrait. Ni même parce que je n'avais pas les moyens pour me payer mes études. J'ai abandonné l'université à cause des circonstances. Je suis une victime de l'avidité, une victime de la pure méchanceté. Et je vais m'expliquer. J'avais un professeur quand j'étais à l'école. Bonjour, cher étudiant. J'ose croire qu'à présent, vous avez tous reçu ce manuel. Un guide en entrepreneuriat. Eh bien, c'est facultatif. J'ai dit que c'est facultatif et j'ai entendu quelqu'un dire non, monsieur. Mais laissez-moi vous dire, pour ceux parmi vous qui pensent que vous ne devez pas acheter ce manuel. Le jour des résultats, nous saurons bien qui est qui dans cette institution. Et pour ceux qui ont le manuel, allez à la page 33. Vous verrez la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée. Je vais vous la laisser en guise de devoir. Oh. Mais pourquoi? Pourquoi? Qui est en train de murmurer là? Personne, monsieur. Où est le chef de classe? Oui, monsieur. Oui, Joseph. Oui, monsieur. Assure-toi qu'ils remettent leur devoir avec la somme de 3000 naira chacun. Oh! Pourquoi autant de chahuts? Joseph! Monsieur! Assure-toi de récupérer jusqu'au dernier centime. C'est compris, monsieur. Et prends les noms de ceux qui se plaignent et apporte-les dans mon bureau. D'accord, monsieur. Monsieur? Comment sommes-nous supposés remettre le devoir? Vous avez 3 jours pour le faire. Je n'ai pas d'argent. Franchement, je ne comprends plus du tout cette école. Peux-tu le croire?
Comment peut-il nous demander de payer 3000 juste pour un devoir? Mais c'est trop là. Ah. De toutes les façons, moi j'ai pas d'argent pour payer. Franchement, je sais combien coûte mon loyer. 150 000 naira. Je n'ai pas d'argent pour payer. Et ce qui me fait mal, c'est que le chef de classe ne fait rien par rapport à ça. Tout ce qu'il sait, c'est de se lever et accepte tout. 3000 juste pour un devoir? Il arrive. Chef de classe. Oui, quoi de neuf, la fille? On va bien. Chef de classe, s'il te plaît, nous voulons que tu parles au professeur. D'accord. Comment peut-il nous demander de payer 3000 juste pour un devoir? Mais c'est trop, nous ne sommes que des étudiants, il devrait comprendre. Et ce qui m'énerve dans ça, c'est que tu ne fais rien par rapport à tout ça. Tu ne peux que te lever et dire oui, monsieur. Et c'est beaucoup trop. S'il te plaît, aide-nous, parle au professeur. Tu es plus proche de lui que nous. Maureen. Tu dois être Maureen, notre voix. Maureen, désolé de te couper la parole, mais je te comprends. D'accord? Si tu étais à ma place, tu allais comprendre ce que je veux dire. J'ai essayé ça une fois. Ça s'est pas terminé comme je l'espérais. Tu comprends? Alors je peux plus refaire ça. S'il vous plaît. Je peux pas me tuer à cause de vous, ici à l'école. D'accord? Je peux pas changer le système. Un arbre ne peut pas faire une forêt. Vous pouvez lui demander, il vous en dira plus. C'est tout ce que t'as à dire? Ma chère. Écoute, tu vois, cette histoire affecte tout le monde. Ce n'est pas facile pour lui. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour vous deux. Alors, gérons la situation dans l'ensemble. Ouais, c'est ça. En ce qui me concerne, je n'ai même pas 5 francs à donner. Je n'en ai pas. Si t'as pas d'argent à donner, alors reste dans cette école. C'est ta dernière année. Alors, si tu payes pas, je suis désolé, ma chère. Tu t'arrêtes là. Tu comprends? Et vu que vous ne voulez pas comprendre, mon pote, on y va. Un homme inversé en vaut deux. Allez, vas-y, viens, on y va. Au moins, parle au professeur de notre part. J'ai essayé. Désolé, je peux plus faire ça. Ok? Pardon, partez. Écoute ce qu'il raconte. On dirait que cet argent sortait de sa poche. Ça n'entre pas dans ma poche non plus. Non mais mon Dieu, 3000 juste pour un devoir. Nous n'avons même pas encore commencé avec les cours. Non mais c'est trop. Si c'était pas à cause du fait que l'éducation est importante, j'aurais déjà abandonné. T'inquiète pas, moi je vais abandonner. S'il te plaît, on y va, je suis glacée. Allons-y. J'en ai vraiment marre de tout ça. Moi c'est pareil. Mais où est-ce que je vais trouver cet argent? Oh. Docteur Fred? Oui, mon ami. Je ne peux pas me tuer pour ce département. Bien sûr que non. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ce département. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai corrigé mes copies du semestre passé, que j'ai déjà soumis au département. Mm-hmm. J'ai déjà donné le meilleur de moi-même. Et je ne sais pas pourquoi ils veulent que je continue à me stresser à ce point. Mais je t'ai toujours conseillé par rapport à ça. Je n'ai jamais obtenu une bourse. Je n'ai jamais été sponsorisé par les missionnaires, ni même par ma communauté. Donc j'ai souffert pour être là où je suis aujourd'hui. Franchement, je suis dans la même situation que toi. Donc c'est pareil. Je ne sais pas. Donc si quelqu'un ne veut pas étudier, c'est son problème. Je me fais payer, alors je fais mon travail et je donne mes cours. C'est leur problème. Je viens à mon bureau et je travaille et c'est tout. Bonjour, comment vous allez? Je viens à mon bureau, je fais ce que j'ai à faire et c'est ça mon travail. Exactement, c'est exactement ce que je fais. Je te l'avais déjà dit. Je n'ai vraiment pas le temps de me prendre la tête et me stresser. Je n'ai pas le temps pour ça. Si tu veux étudier, Bonjour, monsieur. Bon après-midi. Jeune fille. Oui, monsieur. Comment tu vas? Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Comment est-ce que tu t'appelles? Oui, bonsoir, monsieur. Bon après-midi. Bonsoir, monsieur. Favor? Oh, wow. Favor. Elle est chanceuse d'être dans ton département. Bien sûr qu'elle est. Ok, tu peux partir. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Ça, c'est une vraie femme. Ça, c'est vraiment une femme, mon frère. Elle est magnifique. Alors, qui est en charge des montagnes dans cette école? Je pense que c'est ce stupide garçon qu'on appelle Michael. Un étudiant? Il n'est pas vraiment en grande taille. Je ne sais pas ce que c'est... Cette fille? Oui, bien sûr. Cette fille? Elle a tout ce qu'il faut. Absolument tout. Ne t'en fais pas. J'ai une hache pour les arbres comme ça. Je te connais. Tu ne vas jamais cesser de... Jeune homme. Doc. Ceci est non négociable. Ces étudiants ont dépassé les bornes. Ah. Imagine Mais ce jeune garçon.
Comment est-ce qu'il s'appelle, ce mec court? Michael. Un mec très court. Même Michael. Ce même Michael. Oui. Michael. Drague la même fille que moi. Docteur One Touch. Ce même Michael. Ce même garçon. Je vais en finir avec lui. Je ne comprends pas. Je vais en finir avec ce garçon. Ah. Mais explique-moi quelque chose. Qu'est-ce qui donne à ces étudiants le cran de se mettre comme ils le font en compétition avec nous? Moi-même, je ne le sais pas. Oh. Tu dois vite faire quelque chose à propos de cela. Qui, moi? Et vite. Je vais m'occuper de ce garçon. Docteur Nandi, je ne comprends pas. Tu es un homme marié. Docteur Fred, même toi? Oh, un homme marié. Mon ami. Monsieur l'homme marié. Ok. Tu es un homme marié. Et nous voilà. Membre de cette famille. Oh oui. Tu sais que quand tu viens juste de te marier, quand tu es nouvellement marié, il y a encore ces histoires chéri de... Chéri par-ci, chéri par-là. Il est encore dans cet état d'esprit, ça se voit sur lui. Il est encore en lune de miel. Comme tu l'as dit plus tôt, il vient d'entrer dans ce jeu. S'il avait vu cette chose que j'ai vue, cette chose, il allait retourner la veste. Je t'assure. Toi, tu allais retourner ta veste. Non. Tu ne peux pas encore comprendre. Je suis déçu de vous entendre parler de la sorte. Monsieur le marié. Homme marié. Monsieur le marié. S'il vous plaît, tout ce que j'ai à vous dire, c'est de faire attention. Et pensez-y. Tu sais, cette histoire de chéri par-ci, chéri par-là, c'est quand tu es nouveau dans ça. Tu vas nous rejoindre. Que Dieu m'en préserve. Bébé, je suis fatigué. Ah, bébé. Je suis fatigué de cette école. Bébé, arrête de parler de la sorte. Que se passe-t-il? Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas comprendre. Fais-moi confiance. Alors, fais-moi comprendre. On ne sait jamais. Non, c'est tellement frustrant. Hey, salut, mec. Frangin. Comment tu vas? Je vais bien, mec. Je te cherche depuis tout à l'heure. Le docteur Namdi a dit que tu ailles le voir dans son bureau. À quelle fin? Pourquoi? J'en sais rien, il m'a juste demandé de te dire que t'ailles le voir. Es-tu sûr qu'il n'y a pas un problème? Non, pas de problème, je ne le pense pas. Je vais aller voir le docteur Cynthia pour savoir si elle sera là pour le prochain cours. D'accord, passe une bonne journée. Ok. Essaye d'être à l'heure en classe. D'accord? D'accord. Allez bébé, ne laisse pas cette histoire te déranger. Ça ne vaut pas la peine. Non, ne t'en fais pas. J'irai bien. Tu en es sûr? J'irai bien. Jeune homme, je ne sais pas pourquoi vous, les étudiants de nos jours, vous êtes si têtus. Vous pensez que le monde tourne seulement autour de vous. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devriez choisir entre cette fille et vos études. Oui, vous me regardez. Vous me regardez. Je dis, choisissez entre cette fille et votre éducation. La balle est dans votre camp. Maintenant, laissez-moi vous aider. Écoutez, suivez cette porte. Sortez de ce bureau. Avancez. Sortez. Partez. Merci, monsieur. Foutaise, je vais m'occuper de toi. Choisis entre cette fille et tes études. N'importe quoi. Je suis le docteur One Touch. Tu oses draguer la même fille que moi. Je vais en finir avec toi. Tu n'as encore rien vu. N'importe quoi. Je crois que vous devez voir docteur Namdi pour vos copies, d'accord? Ça,
C'est pour moi. Mike. D'accord. Hey, mec. Regarde ma note. Tu vois ça? Regarde. Si moi j'ai pu avoir cette note, ça veut dire que tu as cartonné avec mon frère. Félicitations. Hey mec, je n'ai pas reçu ma copie. Ça veut dire que je dois aller le voir. Tu dois voir le docteur Namdi. Les personnes qui n'ont pas reçu leur copie, allez voir le docteur Namdi. Mais sérieusement, pourquoi cet homme est si mauvais? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. J'ai vu ça venir. Mais tu as bien composé ce jour, non? J'ai vu ça venir. Nous devons aller le voir. Nous devons aller le voir. Toi et moi, allez le voir. Non, vas-y tout seul. Allez, on y va, on y va. Dépêche-toi. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui est bon à propos du jour? Je suis désolé. Désolé, monsieur. Le chef de classe est venu distribuer les copies de l'examen. Et j'ai constaté que la mienne n'y était pas. C'est sûrement une erreur. Alors, je suis venu pour me renseigner. Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas... participer à l'examen. Non, j'ai composé, monsieur. Eh bien, comme vous pouvez le remarquer, jeune homme, je suis très occupé avec un autre travail. Je dois aussi m'occuper des projets des autres personnes. Alors, vous pouvez partir et revenir une autre fois. Vous pouvez partir. Merci infiniment, monsieur. Vas-y. Tu n'as encore rien vu. Docteur One Touch. Foutaise. Tu n'as encore rien vu. Docteur One Touch, moi, je vais en finir avec toi. N'importe quoi. Tu n'as pas vu ta copie. Tu as composé cet examen. Mais tu as choisi la fille et non tes études. Si ce n'était pas que je suis en dernière année, j'aurais fait quelque chose par rapport à ça. Honnêtement, je l'aurais fait. Ce n'est pas juste. Fevor, tu dois chercher à te calmer. Je veux dire,
il n'y a rien que nous ne puissions faire. Docteur Namdi est un homme mauvais et sans cœur. Cet homme est un monstre. C'est vrai. En fait, tu sais le plus drôle? Ces professeurs, ils marchent main dans la main entre eux. Ils se foutent des étudiants. Tu sais, le plus drôle dans tout ça, c'est que ils oublient qu'ils ont été des étudiants. Ça me dérange vraiment beaucoup. Est-ce pour cela qu'il est aussi mauvais? Il ne lui a même pas permis d'être diplômé. Il est à sa dernière année. Fevor, tu dois juste te calmer. Tu dois juste te calmer. Tu sais quoi? Ne t'en fais pas. Docteur Namdi va aller en retraite. Et quand ça arrivera, que se passera-t-il? Il ne sera plus professeur. Et quand ça arrivera, nous le serons. Calme-toi, ok? Et c'est en train de me revenir. Fevor. Oui. Tu dois être prudente. Docteur Namdi est sans cœur. Qu'il peut aller très loin pour te faire du mal. Rappelle-toi qu'il sait que tu es la petite amie de Michael. Et il pourrait te faire du mal pour ça. Ok? S'il te plaît. Merci. Sois prudente. Mais je sais que justice finira par être rendue. Amen. Amen. Oui, justice finira par être rendue. Allez, calme-toi. Merci infiniment, Sean. Merci beaucoup. Prends soin de toi, ok? Calme-toi. Je dois partir, ok? On se parle au téléphone. Merci infiniment. Prends soin de toi. Merci, on se parle au téléphone plus tard. D'accord? D'accord. Michael, Docteur Namdi. Jeune fille, parce que tu es bonne en tout ce qui concerne le lit, alors j'ai décidé de te donner au moins un C dans ma matière. Un C? Après avoir couché avec moi? Monsieur, avec tout le respect, Dieu ne vous pardonnera pas. Hey, laisse-moi te dire un truc. Le même Dieu que tu appelles? A, c'est pour Dieu. B, c'est pour moi, ton professeur. Et C, c'est pour les étudiants brillantes, tout comme toi. Alors, tu mérites un C. C'est assez pour toi. Tout le plaisir est pour moi. J'y ai bien pris mon pied, donc tu peux aller crever en enfer. Tu veux un A? Non, mais tu prends pour Dieu. Je dois te donner un A. Personne ne mérite un A dans mon cours. Et tu voudrais que je te donne un A? Viens ici la prochaine fois. Je vais m'occuper de toi. Je vais te montrer qui je suis. Et tu ne resteras pas dans cette institution. Foutaise. Tu es adeptite. Des tout petites fesses comme ça. Et tu voudrais que je te donne plus d'un C? Non, mais qui diable es-tu? Mes chers amis, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé hier. Ce sale professeur a presque failli me tuer, tout ça pour de très bonnes notes. C'est la même chose qu'il m'a faite. De toute ma vie, aucun homme ne me l'a fait par derrière. Franchement, les filles, vous m'étonnez. Ce n'est pas vous-même qui vous jetez à ses pieds. Si seulement vous décidiez de lire vos leçons, je ne vois pas pourquoi elle vous traiterait comme de la merde. Et s'il le fait encore, allez vous plaindre auprès des autorités compétentes. Allez se plaindre? Je préfère le lui donner que d'aller me plaindre parce qu'il va te combattre avec ses amis. Je suis confuse. Jeune fille, tu es prête à subir ma colère, n'est-ce pas? Ou alors tu m'acceptes,
ou tu m'affrontes. Mais monsieur, je suis assez jeune pour être votre fille. T'ai-je bien entendu? Est-ce que je ressemble à ton pauvre père? Est-ce que je ressemble à ton père? Votre fille, écoute. Il y a deux choses en jeu. Je n'ai pas besoin de te rappeler que tu es une étudiante de dernière année. Soit tu obtiens ton diplôme brillamment, soit tu reviens ici m'affronter. Deux choses en jeu. Tu feras mieux de vite réfléchir. Utilise ton cerveau. D'où Jésus? Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois coucher avec cet homme avant qu'il ne me donne mes notes. C'est grave. Salut. Quoi de neuf? Pourquoi es-tu si abattu? Essaies-tu de me dire que tu n'es absolument pas conscient de tout ce drame, ce complot de génie? Si je te suis bien, tu parles du docteur Nandi? Bien sûr, oui. Je ne comprends absolument rien à ce que tu dis, mais... Ah bon? Pour être honnête avec toi, je ne suis qu'un messager ici. Oh, vraiment? Oui, je ne suis qu'un messager dans cette histoire. Ah! Et nous sommes du même côté. Oh. Je vois ça. Du même côté, hein? C'est vrai, je ne suis qu'un messager. Je n'ai aucun droit. D'accord. À présent, laisse-moi te dire un truc. Quand le moment viendra, je te promets que tu sauras qu'il n'y a aucune différence entre le messager et le message. Si le message est mauvais, je te le promets. T'essayes d'insinuer quoi là? C'est pas toi, Michael. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Mais je peux te dire que quand tu es dos au mur, même la chèvre peut mordre. Michael. Ouais. C'est pas toi? Je ne sais pas qui je suis non plus. Mike. Michael? Mike? Être chef de classe, c'est de la merde. J'aimerais juste que certains d'entre eux soient chefs de classe et voir ce que je fais. Dis-moi, que se passe-t-il? Tu m'as l'air si malheureuse et triste. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Ça devient inquiétant. C'est quoi le problème? Hier nuit, j'ai fait un mauvais rêve sur toi. Et ça me perturbe. Je ne fais que penser à ça. Un mauvais rêve? Oui. Tu étais confus et tu ne progressais pas. Rien du tout, rien du tout. Et tu demandais de l'aide. Mais tout va bien. C'était juste un rêve, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu penses à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, arrête de penser à ça. Tout va bien, rien ne va se passer, d'accord? Ne pense plus à ça. Ah ah. Thank you.
chef de classe. Non, ne m'appelle pas chef de classe. Quand on est en classe, tu m'appelles chef de classe. Mais quand on est dehors, appelle-moi Joseph. Ok, Joseph. Assieds-toi. Ok, Joseph. Je voulais te demander une faveur. Quel genre de faveur? Tu sais que tu es presque proche de tous nos professeurs. Et je veux que tu m'aides pour notre prochain examen. Oh, waouh! Maintenant que nos examens sont proches, tu veux te rapprocher de moi, c'est ça? Me rapprocher? Je ne comprends pas. Parce que nos examens sont proches, tu veux être amie avec moi? Non, ce n'est pas ça. Le fait que je sois distante ne veut pas dire que je ne suis pas proche de toi. Alors ne prends pas ça comme ça. Alors, qu'est-ce que tu essayes de dire? Je peux faire n'importe quoi pour réussir mon examen. Tu peux faire n'importe quoi? Oui, n'importe quoi. Intéressant. Ok. Bah, dans ce cas, on se prend plus tard, d'accord? Ah, ok. Pas de problème. Merci. Y a autre chose? Non, c'est tout. D'accord. Je crois que je dois partir. J'ai quelque chose okay, à faire. Merci. T'as mon numéro, non? D'accord. Appelle-moi. Ouais. Prends soin de toi. Bonjour, les gars. J'ai reçu l'information du docteur Goldfried. Il a dit que pour ceux qui n'ont pas payé son manuel, ils seront pénalisés, mais pour ceux qui ont déjà payé, ils sont sauvés. Et je crois que vous connaissez la pénalité pour ne pas avoir acheté son manuel. De quel genre de pénalité il parle exactement? J'en sais rien. Chef de classe, laisse-moi te dire. Depuis que j'ai rejoint cette université en première année, jusqu'en ma dernière année, j'ai toujours une seule chaussure. Tout ça parce que je dois payer telle chose au professeur, telle autre chose au professeur, payer ceci, payer cela. Franchement, nous sommes fatigués. Vous passez votre temps à rire, pourtant je dis la vérité, vous riez. Ah, on en a vraiment marre de tout ça, nous sommes fatigués. Vous parlez tous au même moment. Je ne comprends rien à ce que vous dites, ok? T'as fait des efforts la première année, maintenant c'est ta dernière année. C'est le dernier tournant et c'est maintenant que vous devez vous surpasser. Donc si vous ne pouvez pas faire ça à la fin, alors je ne pense pas que vous êtes... Mes parents n'ont plus d'argent. Dis-le à ton professeur qu'il nous colle la paix avec ces histoires d'argent. Les gars, j'ai terminé, je ne fais que transmettre la nouvelle. Michael, quoi de neuf, mec? Je suis pas content, je suis vraiment pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Mec, pourquoi ces professeurs sont si mauvais? Pourquoi? On dirait qu'ils n'ont jamais été à l'école. La plupart d'entre eux veulent récupérer l'argent qu'ils ont dépensé à l'école. Mec, tu dis la vérité. C'est tout à fait vrai, je t'assure. Un professeur qui demande à un étudiant de payer, après avoir étudié toute la nuit. C'est pour ça que j'ai un problème avec eux. C'est vraiment pour ça. Hein? Imagine, tu étudies jour et nuit, tu oublies même de manger. Malgré tout, cela, ils demandent plus d'argent. Tu sais, je vais payer. Mais si après avoir payé, un professeur blague avec moi, il verra de quel bois je me chauffe. Allez, calme-toi, on verra. D'accord. D'accord. Viviane, tu connais Mike et Michael? Ces deux gars sont très drôles et ils sont très intelligents. En ce qui me concerne, je vais payer mon argent. Je ne veux pas avoir d'ennui avec un prof. Et je ne veux pas rater mon examen. Eh bien, je vais m'en aller. D'accord, prends soin de toi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je vais faire pour payer la scolarité de mon fils, Michael, mon fils unique, mon seul espoir qui me permet de tenir.
celui-là même qui va élever ma famille. Maintenant qu'il est à sa dernière année, je n'arrive pas à payer sa scolarité de dernière année. J'ai toujours voulu qu'il soit un étudiant, un diplômé, et qu'il ait un bon travail, un travail solide, qui rendra cette famille fière. Oh mon Dieu, maintenant je suis incapable de payer sa scolarité. Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour lui? Et le lui envoyer avant ses examens. Mon Dieu. Ok. Je crois que... j'ai... une plantation qui est très grande. Je vais la vendre. Je vais la vendre. C'est ça. Ma chérie. Oui, mon mari. Ma chérie. C'est le dernier tournant. Après ça, notre fils sera un diplômé. À présent, nous avons besoin d'argent pour sa scolarité. Et je ne peux vraiment rien faire d'autre si ce n'est vendre ma plantation. Pour que nous puissions avoir de l'argent et payer sa scolarité afin qu'il soit diplômé. Comme ça, toi et moi, nous serons heureux. Chérie. Tu sais que c'est la seule chose qui nous reste. Et tu as déjà vendu une partie de cette plantation. Et puis quoi? Les années précédentes. Hein? Alors nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Ce n'est pas ça. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'aurai payé sa scolarité et que notre fils, le seul espoir qui nous reste, est qu'il sera diplômé, nous n'aurons rien perdu. Mon mari, tu as raison. Voilà. Mais là, la seule chose, c'est que... je te comprends très bien, mais j'essaie juste d'être prudente. Tu comprends? Chérie, tu n'as pas totalement tort. Mais si nous l'abandonnons à son sort, ce ne sera pas la solution. Parce que quand il sera diplômé, nous aurons tout accompli, on ne perd rien. Quand il deviendra quelqu'un demain, nous pourrons alors nous vanter. Allons beaucoup voyager et profiter de notre vie. Je te comprends, mon mari. C'est ce que j'ai dans mon champ. Pas de problème, si c'est ça. Vas-y, vends la plantation. Merci, ma chérie. Merci, comme ma ça, chérie. Quand il sera diplômé, va nous appeler papa et maman d'un diplômé. Il pourra nous emmener en Amérique et nous allons profiter. Docteur Fred? Oh, mon frère. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas à ma connaissance. Toi.
Je t'en prie, lève-toi. Monsieur? Lève-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous êtes venu tricher à cet examen avec ceci? Tricher? Quoi? Je vous demande pardon, monsieur. Docteur Fred. Tricher? Regardez ceci. Incroyable. Incroyable quoi? Est-ce que tu vas la fermer? Incroyable. Hein? C'est... Retire tes mains de là tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là, monsieur? S'il vous plaît, j'ai besoin d'une explication. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait? À votre attention, s'il vous plaît. Avec ceci, tu demandes ce que tu as fait. C'est d'accord. Écoutez, tout le monde. Je vous ai toujours supplié, cher étudiant. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de toujours faire votre mieux et de laisser le reste à Dieu. Vous n'êtes pas obligé de réussir. Même si vous échouez, échouez avec dignité. Tu reviens au rattrapage. Et non t'engager dans une chose pareille. Vraiment. Michael, ou quel que soit comment vous vous appelez, j'espère que vous connaissez la gravité de votre acte. Et les sanctions qui encourent pour ça. Eh bien, docteur, je fais mon travail. Oui. Et puisse le comité s'en charger. C'est tout. C'est la seule chose. C'est tout. C'est tout. Je crois que tu as terminé avec... Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez continuer. Tu as terminé avec cet examen. Je vais juste agrafer ça à ta copie. Et s'il te plaît, tu peux sortir de la salle d'examen. Félicitations. Et je pense que ceci servira de leçon... Bien sûr. ...pour tout le reste. Bien sûr. Je ne pense absolument pas avoir été injuste. Sors de ma salle de classe, s'il te plaît. Dépêche-toi de sortir de la salle d'examen. Et concentrez-vous sur vos copies. Ou rejoignez-le. Sors de ma salle d'examen maintenant. Il vous reste 15 minutes. Monsieur, j'aimerais déposer. Merci. Michael? Michael? Hey, vous feriez mieux de vous concentrer. Ça, c'est vraiment une très belle performance. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Et toi, si tu veux, tu n'as qu'à te tordre le cou parce que tu ne vas absolument rien obtenir. Étudiez, vous ne voulez pas. Mais vous voulez réussir. À quoi est-ce que tu penses? Tu es orphelin? Ou c'est l'examen qui a fait de toi un orphelin? Rien ne se passe. Quelque chose se passe là, maintenant. Tu sais que je ne l'ai pas fait. Je sais, bébé. Je sais que c'est un étudiant qui l'a fait. Et maintenant, tu as été la victime. Mon Dieu, s'il te plaît, calme-toi. Oh. Franchement, tu sais que je n'aime pas quand tu es dans cet état. Je n'aime pas quand tu es dans cet état. Écoute, ce n'est pas la fin, d'accord? Tout ira bien, je te le promets. Écoute, je serai là pour toi, d'accord? Je te le promets, tout ira bien. Bébé, s'il te plaît, arrête. Je n'aime pas quand tu es dans cet état. Arrête. Oh, Seigneur. Très bien. Thank you.
Bonjour, les filles. Salut. Salut. Salut, les filles. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Tout va bien. Michael est innocent de cette accusation. Alors, dis-nous, que faisait ce papier près de lui? Nous savons tous que Michael est intelligent. C'est ce que je dis. Il ne s'agit pas seulement de l'intelligence. Pourquoi est-ce que tu les détestes autant? Pardon, je ne déteste personne, ne te méprends pas. Amaka. Quoi? De toutes les façons, continuons d'étudier, je n'ai courage, pas courage, bon élève. Mais c'est vraiment mal. On le sait. De toutes les façons, concentrons-nous. C'est ça, moi aussi. Je compose aussi demain. Laissez-moi lire mes cours. Mais tu connais. Donc tu le sais? Non, je ne le sais pas, madame. Okay. Les gars, vous savez que je suis innocent contre cette accusation portée contre moi. Je ne me livrerai jamais à des malversations lors d'un examen. Tu as raison. Jamais. C'est vrai. C'est trop rabaissant pour moi. Je ne suis pas bien placé pour dire si tu es coupable ou pas. Mais, de mon point de vue, j'ai dit que tu n'es pas coupable. Nous tous, nous savons en classe que tu es l'un des meilleurs étudiants. Tu comprends? Ok. Vous savez tous que, dans cette école et dans cette classe, Michael, ici présent, est mon meilleur ami. On le sait tous. Et quand il s'agit d'excellence académique, il est toujours le meilleur. J'ai tellement appris de lui. Je suis juste inquiet pour lui. Parce que je ne sais pas ce que le futur nous réserve concernant les plans du docteur Onadi. Impossible de savoir ce qu'il planifie. J'ai vraiment peur pour Michael. Ça me fait vraiment peur, très peur. Chef de classe. Oui, je t'écoute. Je pense que tu dois faire quelque chose par rapport à ça. Bien sûr. Parce que... nous savons tous que tu es très proche de ses professeurs. Et de Dr. Namdi surtout. Tu es très proche de lui. Je veux dire, vous êtes proche. Parle avec lui. Va lui parler concernant cette situation. Parle avec lui. Voilà. Allez. Tu as raison. Tu as raison. Michael est très intelligent. Il ne peut pas faire une telle chose. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment a atterri ce bout de papier? Les gars. Je ne pense pas que ça vaut la peine d'aller lui parler de ça. Pour moi, c'est un coup monté. C'était planifié. Vous pigez? Nous savons tous en classe que Dr. Namdi veut ta petite amie. Alors je pense que c'est un coup monté pour que tu rompes avec ta petite amie. Peut-être que c'est un coup monté et il t'a prévenu pour ça. Maintenant, la question que je veux poser est la suivante. C'est arrivé au point où un étudiant va être accusé injustement par un professeur d'une telle réputation juste à cause d'une femme? Je ne sais pas si vous voyez ça du même point de vue que moi. Les gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas où toutes ces choses viennent. Et toi, Joe, je te suspecte aussi. Il faut que je sois clair avec toi. Parce que tu dois réellement faire quelque chose dans cette affaire. Parce que si jamais tu... Mon frère... Les gars, je suis de votre côté, je vous assure. Tu en es sûr? Sean, je t'assure. Tu en es certain? Je suis de votre côté. Pensez-y un peu, les gars. Docteur Namdi, ou peu importe comment il s'appelle, doit-il faire tout ça? Doit-il vraiment le faire? Est-il le propriétaire de cette école? Il punit les étudiants. Et si je découvre que, chef de classe, si je découvre que tu es de son côté? Je ne suis du côté de personne, à pas vous les gars. Vous êtes mes amis. Demande-lui, il connaît. Tu sais ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? Je connais. Tu peux me croire, je prendrai son parti. Je te dis la vérité, je le pense. Je pense que... Ça suffit. Et tant, stop à tout ça dans cette école. Claire. Nous devons mettre fin à tout ça. Bien sûr. À quoi pensez-vous? C'est bon. Ce n'est pas un problème. Mec, je suis désolé. Ce n'est pas comme si... Je comprends. Nous t'avons fait venir ici pour te menacer. Je comprends. Tu sais, c'est douloureux. Très douloureux même. Tu sais, d'encaisser le genre de coup que je reçois de cet homme. C'est très douloureux.
Je suis désolé, les gars. D'accord. T'inquiète pas, Mike. Sache juste que nous sommes présents. Nous c'est sommes d'accord. Là pour toi. C'est d'accord. Nous allons nous battre pour te sortir de cette situation. D'accord. Dieu au contrôle. Ne t'inquiète d'accord. pas. D'accord. Ça ira. Docteur Fred, surtout ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Je suis en pole position dans le jeu. Mais effectivement. Oh, docteur. Docteur Fred. Bonjour. Bonjour. Docteur Namdi. Ouais. Bonjour. Docteur Namdi. Tu n'as pas bonne mine. J'espère que tout va bien. Je n'ai pas bonne mine. Comment voudrais-tu que ma mine soit? Enfin, le garçon a été convoqué. Et le conseil a décidé qu'il était innocent. Comment? Comment? Ils ont mené des investigations. Et ils ont dit que l'accusation portée contre lui n'était pas du tout fondée. Donc ils l'ont laissé partir. Les accusations que j'ai portées contre lui ou les accusations qu'il a portées contre nous lui? Nous l'avons vu. En non, fait, écoute ce qu'il est en train de dire. Nous avons conclu qu'il n'est pas est-ce coupable. Est-ce que tu entends ton collègue? Eh bien, le problème est vraiment simple. Vraiment très simple, c'est. Très simple. Il est simple, tu l'as dit. Il y a deux choses en jeu. Soit tu pars de cette institution, ou les garçons s'en vont. C'est aussi simple c'est que ça. C'est ce qu'il en est. Je m'adresse à toi. C'est aussi simple que ça. Et c'est parce que je l'ai introduit dans le conseil qu'il me dit que le garçon n'est c'est pas bon. Coupable. Docteur, c'est bon. Merci, bonne journée. Merci. Peux-tu le croire? Non, mais c'est qui ça? Un petit garçon. C'est parce que je l'ai introduit. Ça fait combien d'années? Parce que je l'ai introduit. Toi, c'est de ta faute. Tu veux aider tout le monde. Regarde-le. Il vient dire, le garçon n'est non. pas... Le garçon est... Vois-tu, je suis un chevalier. Je suis un chevalier. Je suis un chevalier servant. J'aide les gens. J'aide ceux qui sont moins privilégiés. Ok, tu... Je l'ai aidé. Et maintenant, bien. Il me dit que j'ai porté de fausses accusations contre le gamin. Tu l'as entendu. Il va partir. Je vais en finir avec un lui. Un petit garçon. Je suis le docteur One Touch. Laisse-le. Ce n'est qu'un petit garçon. Il saura de quel bois je me chauffe. Exactement. On se voit plus tard. Un petit garçon. Ose se mesurer à nous. Ne rigole pas. Je sais que cet homme est un homme vraiment mauvais. Je le sais. Et je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. Juste à cause de ce gamin. Non. Aïe. Il faut que je réfléchisse. Pourquoi est-ce que je perds du temps? Je dois faire ce que j'ai à faire. Oui. Je ne peux pas perdre mon travail à cause de ce gamin. Mais ce gamin est innocent. Il est innocent. Est-ce que le docteur Namdi a pu me faire ça? Je n'en reviens pas. Le meilleur élève de mon département, de tout l'établissement. J'ai été renvoyé de cet établissement. Pour motif de tricherie à ma dernière année. Toutes ces années à l'école ont été balayées d'un coup et gâchées. Mon Dieu. Mon Dieu. Docteur Namdi. À cause de ce que vous m'avez fait sans raison.
Mon Dieu ne vous pardonnera pas. Mon Dieu ne vous pardonnera. Jamais. Quand je pense un instant que je vais retourner au village et recommencer ma vie à zéro, qu'est-ce que je vais faire à présent? Être un chômeur? Ou quoi? Commencer à porter du gravier? Être un pousseur? Ou un mototaximan? Oh bon sang! Mon Dieu! S'il te plaît, guide-moi. Sentiment étrange. Que peut-il se passer? Que fais-tu là? Mon mari, je suis juste en train de me détendre. Te détendre? Oui, mon mari. Ok. Ma chérie. Mmh. Je vais aller au champ vérifier mes pièges que j'ai tendus hier. Okay. Je serai vite de retour, d'accord? Oui. S'il te plaît, dépêche-toi. C'est compris, c'est compris. Ne pars pas mettre long là-bas. Non, non, non. Ça va, Michael? Ce n'est pas Michael. Pourquoi il rentre avec tous ses bagages à la maison? Quel est le problème, Michael? Michael. Ah ah. Pourquoi est-ce que tu rentres avec tous tes bagages? Ou bien es-tu déjà diplômé? Ah ah. Tu ne dis rien. Michael. J'espère que tout va bien. Ah ah. Mon mari, parle-lui. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu rentré? Tu es déjà diplômé? Pourquoi tu rentres avec tes bagages à la maison? Parle-moi, je suis ta mère. Parle-moi, Michael. Tu es déjà diplômé? Ah ah! Non. Quelqu'un est mort? Non, personne n'est mort. Dieu merci. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi es-tu rentré avec toutes tes affaires? Ou bien tu es déjà diplômé? Non. Je n'en parle! Un de mes professeurs, le docteur Namdi. Hein? Est-il mort? Qu'est-il arrivé à ton professeur? Il t'a donné des congés. Il m'a tendu un piège. Hein? Ah! Il m'a piégé durant l'examen de fin d'année. Maintenant, le conseil d'administration de l'université a annulé mon année académique. Hey! Comment? Ça veut Allô? Dire que tu as été renvoyé. Hey! Qui a bien pu me faire ça, oh? Hé! Hey! Mes ennemis ont réussi, oh! Ils ont réussi. Regarde ton père. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, papa, mon mari? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Papa, lève-toi. Mon mari, mon mari, mon mari, ne me laisse pas. Ne me fais pas ça. Non, non, non. Non, 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 mon mari, ne me fais pas ça. Thank you.
Seigneur. Mon Dieu va punir ce bon à rien de professeur. Ce professeur qui a fait renvoyer mon fils de l'université. Je lui souhaite du malheur. Mon Dieu retire sa joie pour tout le restant de ses jours. Il ne connaîtra jamais la joie. En fait, mon Dieu, fais-lui ce qui te fera plaisir. Non, non, ce n'est pas ça. Fais-lui ce qui me fera plaisir. Oui, c'est ce que je veux. Vu qu'il m'a privé d'être la mère d'un diplômé. Hey! Docteur Nandi, je te souhaite le malheur. Docteur Nandi, tant que tu seras sur cette terre, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tout le restant de ta vie, tu ne connaîtras jamais la paix. Tu m'as privé de ce nom, maman d'un diplômé. Tu ne connaîtras jamais la paix. En fait, je suis censée porter ce nom maintenant. Maman d'un diplômé, maman d'un diplômé. Regarde ce que tu m'as fait, docteur Namdi. Regarde ce que tu m'as fait, docteur Namdi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Docteur Namdi, je te souhaite le malheur. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde-moi maintenant. Je suis censée être la mère d'un diplômé. Regarde-moi. De maman. Maman chérie. Regarde l'ami de Michael. Oh. Ah, mon fils. Maman. Sois le bienvenu. Comment merci. Tu vas? Je tu as bien, une maman. Bonne mine. Comment tu vas? Oh, tu as bonne mine. C'est grâce à Dieu, mon fils. Maman, ça fait longtemps. Mon fils. Alors, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Merci. Comment je tue? Rien, oh. Waouh, 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 maman. Sois le bienvenu, merci, mon maman. Fils. Merci, maman. Alors, à qui est cette voiture-là? Oh. Maman. À qui est cette voiture? Maman. Hein? C'est ma voiture. Ah, ah. Tu veux dire que c'est ta voiture? Oui, maman. Oh non, quelqu'un te l'a donnée, hein? Ah, maman, ça c'est ma voiture. Je l'ai achetée 6 mois après mon service. C'est vrai ça? Oui, bien sûr. Hein? Ah, gloire à Dieu, c'est le travail de Dieu. Docteur Namdi, regarde ce que tu m'as fait. Maman. Hey! Maman, quel est le problème? Hein? Mon fils est aussi supposé avoir ce genre de choses, hein? Pourquoi on m'appelle maman voiture? J'allais m'asseoir au siège arrière et j'allais saluer mes amis en disant « Je vous salue, oh, je vous salue, maman, oh. » Ça va, ça va. Hein? Hey. Ça va. Tout ira bien. Amen, hein? Oh, amen. Hein? Voilà, en fait, je suis venu voir mon ami Michael. Ok. Je suis venu le voir. Michael. Ça fait 2 ans maintenant, depuis que je suis diplômé, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je ne l'ai pas vu. Alors j'ai décidé de venir lui rendre visite, question de savoir comment se porte mon ami Michael. Oh, où est-il? Michael. Michael est au champ en train de travailler. Au champ? En train de faire quoi? L'agriculture, bien sûr. Il travaille. Non, 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 non. Maman, tu veux me dire que mon ami Michael, aussi brillant soit-il, est au champ en train de travailler? Oh mon Dieu. À cause du docteur Namdi.
Il n'a pas pu être diplômé d'université. Regarde. Regarde ce que ce docteur m'a fait. Docteur Nandi, hey! Peu importe où tu es, tu n'auras jamais la joie. Tu ne connaîtras jamais maman, la joie. Maman, c'est bon, ça. T'en fais pas, tout ira bien, d'accord? Amen. Tout ira bien. Je prie pour ça, prie pour ça. Dieu est au contrôle. Amen, tout mon ira fils. Bien. Je me suis dit que je devais venir prendre ces nouvelles. Hein? Tu as bien fait. Oui. Prends place, il sera bientôt de retour du champ. C'est pas nécessaire. Je suis pressé. Je vais me dépêcher d'aller récupérer quelque chose. Je vais revenir. Ok. Quand tu vas rentrer, dis-le juste que j'étais de passage. Ok, je le ferai. Je vais lui dire. Ok, maman. Ok. Prends soin de toi, d'accord. D'accord, mon fils. Tout ira bien. Arrête, ne pleure plus. Non, je ne vais plus pleurer. Je ne pleure plus. Prends ça, ok? Prends cet argent et achète-toi ce que tu veux. Hein? C'est pour toi. Ça? Oui, prends cet argent. Non, c'est beaucoup trop. Allez, maman, arrête, ce n'est rien, tu mérites beaucoup plus. Hey. Tu mérites mieux. Donc, tu veux dire que tout ça, c'est pour moi? C'est pour toi, maman. Hey. Allez, tiens. Merci. Je t'en donnerai plus quand je reviendrai. Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse. Dieu va te donner plus. Amen. Et il va te protéger. Amen. Merci. Amen. Hey, mon fils, tu es gentil. Rentre bien, d'accord? Merci, maman. Rentre dans la paix. Je reviendrai, d'accord? Ok. Je vais revenir. D'accord, mon fils. Hey. Au revoir, mon fils. Maman, arrête de pleurer, d'accord? Mon arrête fils, ne t'en fais pas. Je ne pleure plus. Je reviendrai. Ok. Au revoir. Regarde comment il est devenu un grand homme. Hey! Hey! Mon fils aura aussi conduit ce genre de voiture. Hein? Et moi, je me serai assise derrière. Et j'aurais dit à mes amis, au revoir, oh! Mes amis, au revoir, oh! Hey! Oh, je souhaite du malheur à ce docteur. Docteur Namdi, peu importe où tu es, tu n'auras pas la paix sur cette terre. Regarde-le. Après 6 mois, il a déjà une voiture. Hey! Hey! Je vais compter tout l'argent qu'il m'a donné. 1, 2, 3, 4, 5. 500 000 naira. Peut-être qu'il travaille dans une compagnie de pétrole. Aïe! Vu sa richesse, ce n'est qu'une personne qui travaille dans une compagnie de pétrole qui peut te donner 500 000 naira. Juste comme ça. Aïe! Mais quand j'y pense, comment est-ce que mon fils Michael va se sentir? S'il découvre que son ami était ici et qu'il m'a donné 500 000 naira, il va se sentir mal. Mon Dieu, sois au contrôle. Aidez-moi. Aïe, 500 000 naira. Maïko, mon pote. Hey! Maïko. Mon vrai pote. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes venus te rendre visite. Ça fait longtemps, tu sais. Mike. C'est une grande surprise. Ça fait longtemps, mon frère. Regarde-toi. Hey, frangin. Hey! Ça fait longtemps. Oh, mec. Qu'est-ce qui vous amène ici, les amis? Oh, mon ami, nous sommes venus te voir. Est-il interdit de voir notre frère? Ça fait longtemps. Allons nous asseoir. Michael. Mais on devait venir quand même. Pour te voir, frère. Ça fait longtemps, frère. Regarde-toi. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu deviens? C'est bon. Comment se passe votre service? Comment s'est passé le service? Mec, non. Nous sommes partis, nous sommes revenus. On a terminé. Nous sommes là. Fini avec quoi?
Ah, ah bon, donc le service n'est pas long, quoi. C'est juste 2 jours, c'est ça? C'est juste pour un an, mon ami. Sommes de retour. Tu étais là-bas et la prochaine minute, tu en as fini. Hey! Félicitations, mec. Merci. Félicitations. Merci, frangin. Nous avons commencé à travailler. Nous avons eu un travail. C'est pour cela que nous sommes venus voir notre frère. Ah, ah. Vous travaillez? Oui. Ok, elle est à qui, cette voiture? C'est ma voiture. Et celle-là, c'est pour Keshi. Moi, je n'ai pas voulu conduire toute cette longue distance. Alors, j'ai rejoint Joseph. Oh, la tienne est garée, quoi. Aller ensemble. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui va pas? T'es à l'heure soudainement triste. C'est quoi le souci? Non, 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 tout va très bien. Michael. Mike. Écoute, écoute, oh, Mike. Tu sais que j'ai notre frère. Tu sais que nous sommes là. Tu devrais être heureux que nous sommes venus jusqu'ici te rendre visite. Ok? Et regarde, regarde, Michael. Lorsqu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Exactement. Et c'est pour cela que nous sommes là pour toi. Tu comprends? T'en fais pas, tout ira bien. Allez, détends-toi. Tiens le coup, d'accord? Mec. Non, 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 c'est bon, les gars. Je pense qu'on doit trouver un endroit où c'est désaltéré. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est, une bonne c'est idée. Vraiment une bonne idée. Allons se désaltérer, mec. Écoute, je pense que tu dois nous faire visiter les dieux. Et nous faire voir les meilleurs coins d'ici. Bien. Allez, allons, un ou deux endroits, d'accord? My voilà, Michael, tu es notre partenaire. Ah. T'es toujours mon poteau, d'accord? Mon frère. Michael, mon pote. Mikey. Allez, vas-y, monte, monte. Un sourire. Je suis finalement au point de... Quel point? Je voyage demain matin à la première heure pour la ville. Ok. Maintenant tu parles bien. Ok mon fils, viens que je prie pour toi. À présent que tu as décidé d'aller en ville, viens je prie pour toi. Tout ira bien pour toi. Amen. Comme tu pars pour la ville, Dieu prévoit pour toi. Amen. Il va t'élever. Amen. Ce n'est pas tout haut. Là où d'autres ont échoué en ville, toi tu vas conquérir. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu donneras aux nations et tu n'emprunteras pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Va en paix. Et reviens avec des richesses et la santé. Au nom de Jésus. Amen. Merci, maman. De rien, mon fils. Voilà. Nous sommes innocents. Tu es madame, je vous prie, calmez-vous. Laissez-le, madame. Laissez-moi. On est là pour ça, d'accord? Calmez-vous. Laissez-le parler. Je vous en prie, laissez-le parler. Calmez-vous, d'accord? Je vous en prie, calmez-vous. Je comprends votre douleur, mais il y a des choses à nous dire. Il a tué mon mari. Ce que mon mari a fait mon mari. Il a tué mon mari. Ce que mon mari a fait n'était pas juste. Tu avais tort. Tu avais tort de tuer son fils. Tu n'aurais pas dû. Nous n'étions pas au courant de tout ça. Nous n'étions pas au courant. Non, frère. Nous n'étions pas au courant. Nous n'étions pas au courant. Tu as tué mon mari. Eh bien, votre mari, selon vous, oh Seigneur, était innocent? Il ne l'était pas. Ok. Ce qu'il avait était mal. Nous n'étions pas au courant pourquoi de ça. Pourquoi sa famille ça n'était pas au courant de tout ça. Je t'ai pris comme mon fils. Grand nous frère. Nous ne savions rien de tout ça. Grand frère. Maman, mon mari est innocent.
dit innocent. Votre mari était innocent, n'est-ce pas? Votre mari était innocent. Savez-vous à quel point j'étais innocent? Quand j'étais à l'université, je n'avais rien fait de mal. Je n'avais rien fait, je veux dire. J'ai sacrifié mon temps. J'ai passé des nuits blanches. Je me suis cassé le dos pour étudier. Tu m'as tué. Et j'étais à ça d'être diplômé. Et j'étais piégé d'avoir triché en salle d'examen. Et mon année académique a pris fin. Et mon père, mon innocent père au village, est mort. Ah, ouais, tu mal. Qu'est-ce que vous m'appelez innocent? Non, c'est tu n'avais pas à faire ça. Qu'est-ce que vous appelez innocent? Écoutez-moi et écoutez très attentivement. Si j'avais le choix, j'avais le choix, toutes les racailles, les crapules, les salopards, méchants, et tous les professeurs véreux de l'enseignement supérieur. Comme votre beau-père, le docteur Namdi, je les tuerai tous. Je les tuerai. S'il te plaît, arrête, arrête. Au moment où nous parlons, mon mari est en train de venir. Je veux qu'il vienne ici trouver cette situation. Je veux juste le regarder droit dans les yeux et écouter ce qu'il a à dire par rapport à ça. Je veux l'entendre parler. Mon mari est en train de m'appeler. Allô? Chérie? Quoi? Oui, c'est moi à l'appareil. Qui a son téléphone? Quoi? Quoi? Madame? Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, s'il te plaît. Quoi? Mon mari est mort. Quoi? Mon mari est mort. Épargnez-vous. Épargnez-vous des moments d'investigation. Je l'ai fait. Je l'ai tué. Quoi? Et aussi, je ne m'appelle pas Wawa. Mon nom est Michael. Ah! Ah! Ôtez-le de ma vue tout de suite. Oui, monsieur! Tu as tué mon ami et son père? Doucement, mon frère, doucement. Avance! Doucement, doucement. Dépêche-toi, avance! Doucement, doucement. Avance! Doucement, doucement. Détective! Doucement. Arrête-toi! Attendez! Arrête-toi! Arrête-toi là! Ne me touche pas! Va crouler en enfer! Ne me touche pas! Diable! Que le feu te consume! Qu'il te consume! Vous payerez pour ça! Madame, toutes mes condoléances. Mes condoléances. Vous payerez pour ça, croyez-moi. Je m'en fous. Vous payerez pour ça. Rien à perdre. Avant, viens. Plus quoi? Pauvre idiote. Idiote.